pourra se mettre capturing quand on cherchera un mob en particulier. Ah, wow! Bonjour tout le monde, c'est Shigeru. Bienvenue dans l'épisode 14 de notre série sur Old Must 9. On est dans la maison aujourd'hui. On s'était quitté la dernière fois après une longue séance dans le Nether à chercher des templates et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on avait décidé de faire des choses un peu plus fun. On avait pour projet d'aller dans le Beyond et l'Other. Donc ces dimensions-là hein, qui se trouvent, qui peuvent se faire dans, qu'on peut entrer dedans en faisant clic droit sur un téléport pad. Excusez-moi, c'est le temps de me mettre dedans. Alors, donc j'ai joué un tout petit peu juste. Vous voyez, il n'y a plus l'escalier ici. J'ai mis un elevator de elevator mode. Ils se font juste avec une underpearl et de la laine autour. Et en faisant shift et espace dessus, on peut descendre et monter. Donc voilà, hein, je préférais avoir un petit escalier quand même pour descendre ici, histoire de faire du RP. Mais pour le deuxième sous-sol, on peut faire ça comme ça. Voilà, ça permet de gagner un peu d'espace. Et que ce soit un peu moins chiant de monter et descendre. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. J'ai aussi re-rempli un petit peu ces choses là, j'ai changé, du coup j'ai viré toutes les choses qu'on avait fait vu que mine de rien on avait fait quand même pas mal de choses. Donc quête niveau 1 dans chaque domaine, déco maison, déco salle de bain, ça je le ferai un peu hors caméra, je pense. Faire de la cuisine, ça fait longtemps qu'on veut le faire. Production item automatique, énergie renouvelable, réacteur et storage digital, donc ça c'est ce qui va nous falloir pour commencer les quêtes de niveau 2 hein, sur la main quest. Machine de base create, ça aussi ce serait utile. Ça nous permettra bah, tout simplement justement d'avoir cette production d'items automatiques. On pourrait crafter automatiquement certains items, ce genre de choses, grâce à ça. Je vais juste en profiter pour regarder si on a des choses qui craftent. Des choses qui craftent tout seul. Un truc qui va crafter automatiquement. Donc le mechanical crafter, oui, on sait que ça va marcher ça. Mais c'est un peu le bazar à setup. Si on a une machine qui peut le faire automatiquement, ce serait génial. Je sais pas si on va avoir quelque chose qui va s'appeler un autocrafter ou un crafter. Je vais marquer crafter. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a le crafter de quark déjà. Oh, c'est pas mal ça. Donc quark qui rajoute le mécanique. Enfin le crafter de la 1.21, je crois. On a aussi le sequential fabricateur de thermal expansion qui lui est très très précis, donc celui là ce sera un plus haut niveau. Crafter manager, crafter refine storage, donc ça c'est aussi quelque chose voilà, qui nous permet de crafter automatiquement. Crafter tier 3, ça a l'air de se faire aussi. Ça coûte de l'énergie tout ça, donc nous on va plutôt prendre quelque chose comme le crafter de quark, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, on va s'en faire un. Un dropper. Ah, j'ai plus de redstone. J'ai plus du tout de redstone. J'ai plus une miette de redstone. C'est vraiment ça qui se passe? Ok. On a plus de redstone, on a plus de lapis. Je pense qu'on va commencer très tranquillement en allant miner. Où est-ce qu'on va avoir ceci dans la dimension? Ça va être la question, donc on va descendre un peu, on devrait en trouver, hein. Il n'y a pas de... Tiens, il y a des morts d'ici. Je pense pas que ça va être trop compliqué. L'uraninite. Hop, ça va être vers le bas, hein, je pense, parce qu'on a... On a du lapis, on a des trucs comme ça, souvent en couche de deep slate. On va creuser un peu vers le bas. Hop, on a du fer aussi, on va le prendre. Hop, parfait. L'apatite, ok. Donc, on va regarder ça. Ce serait bien de pouvoir se faire un petit crafter, voir déjà comment il va être niveau interface. Ce sera une bonne alternative à celui de Create. Parce qu'on devra le faire de toute manière, celui de Create, hein, pour la star, etc. Mais voilà. Alors, on va se faire manger une petite carotte comme ça. Ah ouais! Absorption 3 pendant 30 secondes, régène 3. Donc ça, ce sera très utile pour les boss. Hop.
Du copper, on va le laisser. Le charbon, on va le prendre. Oh, le giga filon que j'ai eu. Insane. Hop, on a encore ici. Ah, de la redstone. Ok, donc de la redstone en couche 135. Faudrait qu'on se fasse le charme pour trouver la redstone, je pense. Ce serait utile. On a déjà deux stacks. On va en poser. On va poser un petit peu tout ça là-dedans. Hein. Manger une pomme. Pareil, on va tester. Donc la pomme est moins bien. Ok, c'est bon à savoir. Elle coûte le même prix, mais elle est moins bien. Ouais. Donne moins de cœur. On a du diamant, on va le prendre. La redstone. Hop, donc pas de lapis pour l'instant. Je pense que le lapis est plus bas, tout simplement. Hop. On va se miner encore un petit peu de redstone et ensuite on ira chercher. Chercher de lapis un peu plus bas. L'apatite. Ah oui, alors c'est vrai que Greg Tech fonctionne par sorte de chunk, de gros filon. Vous voyez que là on a un filon de. Un filon d'apatite et de tricalcium. Quand on fera Greg Tech, il faudra penser que la génération est différente hein, pour ces minerais-là. Hop. Plein d'émeraudes aussi, c'est vrai, je pense pas, mais on pourrait miner de l'émeraude ici, hein, si jamais. Jamais on n'a plus envie de trade avec nos petits villageois. Ok, voilà, plus bas, on va chercher de la. Déjà, on va prendre ça. On va chercher du lapis, j'espère que je vais en trouver quand même. Hop, on range ça dans le dunk. Parfait. Donc, en quelle couche ça va être le lapis? Ça va être bas, je pense, hein. Ouais, ça s'annonce dur à trouver. Je pense que je suis peut-être déjà passé à côté. Kyanite, ouais, ça on va prendre. Éviter d'aller dans le gros filon. Ah, c'est là, ok. Donc c'est en couche 70. Bon à savoir. Je pense que la prochaine fois qu'on viendra miner dans cette dimension, on aura déjà la bouffe de haut niveau. Enfin, un deuxième Eternal Steak ou alors de la bouffe qu'on peut manger en boucle. Parce que vraiment, c'est. Hop. C'est un peu embêtant de devoir attendre à chaque fois. Hop. On a encore de la redstone. Ok, donc on a de la redstone un petit peu partout entre la couche 130 et la couche 60. Le lapis, par contre, c'est un peu plus rare. On a combien? À 93. C'est pratique hein, ce minage, la vache. Hop. Ah oui, au fait, je me suis crafté 2-3 petits trucs. Je me suis fait ceci. Non, ça, je l'avais déjà. Je me suis fait ces 4-là. Voilà, tout simplement. C'est juste du fer pour la majeure partie. Ça, c'est de la laine. C'est le truc de laser. Je me suis dit, on avait des slots vides, autant les remplir. Hop. Du fer de ce côté-là. Je vois plus de lapis, hein. Descendre un petit peu, peut-être. Est-ce qu'on en a plus par là? Pas l'impression. Bon, on a à peu près ce qu'on voulait. On va rentrer avec notre warpstone. Hop. Parfait, donc. On va changer ça. Parfait. Et on va devoir regarder un petit peu donc ce crafter. Alors, ça se fait avec un dropper, une table de craft. Ok, donc est-ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement le même fonctionnement que pour la 1.21. Donc ça tombe bien, j'ai regardé les snapshots. Donc je sais comment ça fonctionne. Tout simplement, si vous mettez. Alors je pense que ça marche aussi avec des pipes.
On va essayer ça. Si je mets, hop, un petit chest de chaque côté. Que je mets par exemple, bah je veux faire, mettons, un bloc de redstone. On va regarder, hein, on va apprendre. Je vais faire un bloc de redstone ici. Je mets ça, tout simplement. Donc là, c'est... Voilà, c'est le bloc de redstone. On peut juste pas le sortir. Mais dès que je fais un bouton ou autre, ça le drop. Alors, ça le drop là comme ça. Est-ce que j'aurais moyen de le sortir digit... enfin, de le sortir dans le pipe? On va essayer notre wrench. J'ai d'ailleurs amélioré juste un tout petit peu ma tool belt pour avoir des items, des slots en plus. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Parfait. Ça m'a... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Alors, ça va être. S'il faut le faire exactement comme les setups vanilla, ça va peut-être un peu chiant. En vanilla, il faut lock le hopper. Alors, il faut mettre des hoppers. Hein, et il faut lock le hopper pendant qu'on craft. Et dès qu'on veut, on peut le lâcher. De toute manière, je pense que ce qu'on fera, ce sera quelque chose comme ça. On va mettre toute la redstone dedans. Ça va remplir. Alors, je sais pas pourquoi ça les met par 4. C'est peut-être le pipe qui fait ça, faudrait peut-être mettre un hopper plutôt. Et une fois qu'on veut, on peut connecter ça, hop, faire ça. Et sortir les blocs de redstone. Alors du coup, si on met en dessous, peut-être qu'on sortira les blocs. C'est peut-être que je les mets sur le côté, ça ne fait pas ce que je veux. Mais je pense que c'est bon. On va essayer avec des hoppers quand même. Parce que pour compacter des items de 3x3, je pense que ce sera le plus simple. Il y a aussi moyen de le faire avec Create, mais il faut de l'énergie rotative, des trucs comme ça et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc, si je mets ça comme ça, ouais, bon, on va mettre dans le hopper directement. Donc, si je veux faire des blocs de redstone automatiquement, que je mets ça là-dedans, ça part en dessous, c'est ça. Donc, il faut un... j'ai pas de levier, on va s'en faire nous-mêmes. Hop. On peut pas faire. Non, c'est une blague. On peut pas faire de levier avec de la deep state. Ok, donc si je mets ça comme ça, là je lock mon hopper et du coup toute la reste. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tout avait disparu. J'étais là en mode. C'est exactement la même pièce. Pourquoi tout a disparu? Ok, non, c'est faut que je fasse gaffe quand on chiffre dessus, ça fait n'importe quoi. Ok, donc on va lock le hopper maintenant. Si on fait ça, ça va dans le hopper. Ah, si on lock lui, c'est lui qu'il faut lock peut-être. On va réessayer. Mais du coup, comme je lock lui, ça lock aussi le truc qui est au-dessus. Alors, on va mettre un bloc. Je sais pas si ça va être beaucoup plus simple qu'avec du truc create. Hein. Donc là, ça transfère. Si je fais ça. Alors là, je viens de crafter un truc, en effet. Hop. Sinon, ce qu'on pourra faire, c'est regarder directement sur Internet. Voilà, donc là, c'est bon. Ça met bien un fil après un fil. Et du coup, peut-être qu'on n'aurait pas besoin du hopper qui est en dessous. Est-ce que si on met un coffre devant, ça marche? Ça va pas le jeter contre le coffre quand même. On met ça ici. Ok. Donc il n'y a pas besoin de hopper en dessous. Ça sera beaucoup plus simple. D'accord, donc j'ai compris. Si on veut faire des blocs de redstone. Alors, il est où le reste de ma redstone? Il est là. Si je mets ça automatiquement. Ça va faire ça, mais ça va rien faire. Et ça va crafter seulement dès que j'active le levier. Ça peut d'ailleurs rester activé. Ça va, du moment que c'est pas contre le mur, ça va pas bloquer le hopper au-dessus. Et dès qu'on veut, on peut en faire comme ça. Hop, parfait. On peut en crafter comme on veut. Donc si on arrive à setup une cloque. Ou alors juste. Est-ce qu'on peut prendre.
Un comparateur. On va se faire des comparateurs. Des torches de redstone. Voilà. Il me semblait qu'on en avait récupéré, mais ça devait être des repeaters qu'on avait récupéré. Ok, donc là, on va avancer un petit peu sur la redstone vanilla. Je vais transformer tout ça dans mon dank. Il est où mon dank? Il est là. Voilà. Alors, ça préfère aller dans mon inventaire, oui, c'est vrai. Hop. Ça, c'est bon. Pas besoin d'autant ici. On va se mettre ça. Ok. Donc, on va transformer tout ça en cobble compressé. Voilà. Donc, le comparateur, lui, va récupérer un signal en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc, s'il y a 6. C'est vraiment de la redstone vanille hein, pour le coup. S'il y a 6, on devrait logiquement avoir un signal de 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Il ne devrait rien y avoir. C'est ça. Si je mets un septième item dedans, j'arrive à 7. Donc en fait, dès qu'on arrive à 9, donc 7, 8, 9, là, on pourrait faire une boucle qui va du coup activer ce truc-là. Donc si jamais je veux le calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça comme ça, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. Comment je peux faire ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, ça me saoule, j'arrive pas à faire un truc qui me ramène sur le 9e ici. Bon, déjà, on va le mettre là, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. C'est insupportable. Pourquoi j'arrive pas à calculer ça? C'est possible au moins de faire un truc qui va à 10. Ah, je sais ce qu'on peut faire. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tant que j'en ai pas 9, ça fait rien. Et dès que je mets le 9e, ça craft. Et ça repart à 0. Ok. Donc ça, je comprends un petit peu comment ça marche. Alors, ça prend de la place. Je sais qu'il y a un moyen avec, attention, un autre comparateur. De faire un calcul de différence. Alors, comment ça marche? Tout simplement, là, vous voyez, je suis obligé d'avoir 9 pour avoir un output correct. Ce que je pourrais faire, ce serait. Oh, ce serait très opti si j'arrive à faire ça. Va casser un petit peu les blocs. Comme ça. Je me suis vraiment mis au pire endroit, par contre. Hein, c'est. J'aurais limite pu aller l'étage en dessous pour faire ça. Mais bon. Donc ici, faudrait que ça aille en deux. Comment je pourrais faire ça? Il me faudra un repeater peut-être. Après le truc c'est que le repeater. Ouais non c'est bon, il y aura le temps. Repeater, mais ça j'en ai déjà je crois. Ouais j'en ai, ok. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Donc là, dès que je vais avoir un item, ça va le crafter. Vous voyez, ça veut le mettre là-dedans. Alors, je sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait. Ah d'accord, faut que ce soit dans le slot en haut pour que ça fasse ça. Ok. Donc il n'est pas shapeless le truc. Donc, dès que j'ai un item, là, ça le transfère. Moi, je veux que dès que j'ai 9 items, ça transfère. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement avoir un container à côté qui lui va avoir un signal particulier et donc c'est lui que je mets en soustraction je crois. Donc si je mets un coffre ici qui lui a un item,
Donc, si j'en mets 3 et que j'en mets un là-dedans, ça fait rien. Si j'en mets un deuxième, ça marche. Ok. Donc, j'en rajoute un quatrième. Je sais pas trop comment ça marche. C'est lui qui doit être en soustraction, c'est comment ça marche ça? Un fil. Et là, ça marche direct. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il me semblait qu'il y avait un truc de soustraction qu'on pouvait faire avec ça. Je sais pas exactement dans quel ordre c'est. C'est lequel doit être en soustraction déjà. Mais lui, s'il a un signal. En gros, le système, c'est que pour que le courant passe, il faut que ce truc-là ait au moins autant. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait 9 items là-dedans pour que le courant passe. Il y en a 8. Lui, normalement, avec 8 items dedans, il devrait pas laisser le courant passer. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression que ça marche. Est-ce que si je mets un petit fil comme ça, juste pour voir si ça fonctionne, et que je mets un truc. Là, ça fait rien. Ok, j'en mets un deuxième. Là, il y a un courant déjà. Qui est un power de 1. Donc, il y a un décalage de 1 ici. Si j'en retire 1, 1, 1. Donc, le power reste à 1. Power 2. Ah. Ça reste à power 2. Donc c'est bien lui qui doit être en mode soustraction. Ah, c'est particulier tout ça, comment ça marche? Faudrait que je regarde, je pense. Mais je pense qu'il doit y avoir des setups qui existent déjà avec les crafters. De toute façon, je pense que la majeure partie des choses qu'on fera, c'est de combiner du 3x3. Le système qu'on a eu avec la redstone autour, ça marchait aussi, mais c'est juste pas au petit. Mais celui-là est beaucoup plus efficace. Je regarderai ça quand on y arrivera, je pense. Voilà, bon, déjà. Déjà, on sait un petit peu comment fonctionne le crafter. Donc, il faut un système de redstone, pas besoin d'énergie, rien. Ça se fait tout seul. Donc, c'est pratique. Hop. Donc, on va le ranger pour l'instant, notre crafter. On va pas en avoir besoin. Le dunk, il est vide. Donc, les pipes, ils serviront pas sur ça. Faudra utiliser des hoppers. En tout cas, sur le dessus. Je sais pas si de face, ça aurait récupéré les items. Je sais pas. Mais faut s'assurer que ce soit un hopper pour qu'il mette les items un par un, sinon il les met 4 par 4 et c'est un peu chiant. Peut-être qu'il y a moyen de configurer le pipe pour qu'il mette qu'un item par un item. Ce qui pourrait marcher aussi. Mais voilà, donc ça voilà, c'est ce que je voulais regarder, c'était au niveau du crafter. Donc ça, ce sera quand on fera les productions d'items automatiques pour les multiplier par 9. On pourra aussi faire des améliorations d'Inferium. Donc si on regarde l'Inferium, on peut le transformer en Prudentium en utilisant ceci. Le Master Infusion. Ah, il coûte des Insanium. Oh non, c'est insane. Quoi? Ah ok, il faut un Supremium. D'accord, le Supremium. Ah d'accord, avant il n'y en avait que deux des petits des infusions cristaux. Maintenant, ils ont fait tous les tiers. D'accord. Donc celui-là, si on le fait, il permet. Ok, on peut faire que du prudentium avec. D'accord. Et lui, on peut faire du tertium. Ah, ils ont changé un petit peu la recette. Avant, ce cristal-là, il pouvait marcher pour n'importe quel type d'essence autour. Maintenant, on est obligé d'avoir le tiers du truc qu'on veut faire passer en niveau supérieur. Donc si je veux faire du prudentium, je suis obligé d'avoir. Soit le master infusion, le truc infini, soit celui en inférium. Ça ne marchera pas avec un autre. Ok, donc ça sera utile pour qu'on essaiera d'automatiser le regroupage, on va dire, d'inférium pour le transformer en prudentium. Pour ensuite le transformer en tertium, puis en imperium, puis en supremium. Puis en insanium, évidemment. J'en ai 1200 des essences. Est-ce que j'ai pas moyen de commencer un tout petit peu juste ça, voir un petit peu les prérequis qu'on va avoir. Donc,
Si je veux faire un fusion cristal, il me faut un diamant en ça. Donc ça, il me faut ça. Et ça, il me faut ça. On va s'en faire un stack de ces trucs-là parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. J'ai pas beaucoup de prospérité, donc... Non. J'avais quasiment 3 stacks, c'est tout. Ok, donc le diamant, c'est fait. On va se faire une gemstone inférium. Et là, ça suffit déjà, vous voyez, à faire des objets en inférium qui font qui sont déjà mieux que du diamant. Donc si jamais vous commencez, vous pouvez vous faire des petits trucs comme ça. On peut mettre des augments en plus plus tard dessus, donc c'est assez cool. Et ils ont une bonne durabilité, hein. 2000 de dura, 2000 de dura ici aussi, donc c'est vraiment pas dégueu. Même l'armure, elle est vraiment bien, je crois. 2-6, c'est la même chose, ouais. Mais elle a plus de durabilité aussi, donc... Et ça, c'est pour vous dire, c'est que le niveau 1. Donc vous avez juste besoin de quelques diamants et d'un peu d'inférium pour avoir ça. On peut aussi en faire des lingots en faisant avec des prosperity ingots. Mais ça, c'est pareil, il faut du prosperity. Donc là, on n'a plus assez de prosperity pour faire ça. Le prosperity, ça se trouve dans les grottes. Est-ce que j'ai pas moyen de me faire une prosperity? Hop, et on va en profiter aussi pour faire le lapis. Et la redstone. Hop. Donc, calcinated. Voilà, donc on peut faire calcinated lapis avec ceci. On peut faire redstone avec ceci. Prosperity, est-ce qu'on va en avoir? Copper, aluminium, netherite, on l'a déjà fait. Alors. Non, prosperity, ça n'existe pas. Ok, donc c'est bon à savoir, il va falloir en chercher à la main. Faudrait juste trouver dans quelle couche ça se trouve dans la dimension de minage ou dans l'overworld. Pour aller en chercher, il me semble que c'est quand même assez bas dans le monde. On va aller voir à l'ancien city s'il n'y en a pas dans les murs. Juste pour qu'on puisse avancer un petit peu sur ça. Voyons voir. Alors, on va s'activer notre petit jetpack. Donc ça ressemble beaucoup à du diamant. Donc si jamais on voit un truc qui ressemble à du diamant, c'est du prosperity. C'est ça. Hop, et là on a déjà un stack, donc c'est bien. Donc, ce truc-là, pas moyen de l'avoir en charme. On va pas le X-ray. Mais c'est pas très très rare de toute manière. Ça peut se trouver relativement vite. Si on a de la chance. Je ne vois pas d'autres. Ah, il y en a là. Parfait. Il y en a là. Oh, bah tiens. Du diamant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par ici, on en a là. Vrai que j'avais pas pensé, mais il en faut des bons stocks hein, pour commencer Mystical. Ça aussi, on va prendre du gravier pour les trades avec les... Oh! Ok, il m'a touché très très loin, c'est bien, j'ai lu. On va sortir notre Seal Touch. Récupérer un spawner à squelette. Toujours utile. Hop. On a du lapis aussi, on va le prendre. Hop, ça dégage. Alors oui, c'est vrai, j'ai retiré mon shield. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon shield? Ah, il est là, c'est vrai, il a des jolies couleurs. Il a mending mon truc? Oui, il a mending. Oh, c'est bien ça. Il se cassera jamais. Deep Slate Dark Ore. Je crois qu'on n'avait jamais récupéré de ce truc-là et je crois que c'est ce qu'il faut pour commencer Evolcraft. Donc ce sera déjà récupéré, ça c'est cool.
Alors voyons voir. On a encore du prospérity, on en a là. Hop. On a là. On va rentrer. Là j'en ai quoi? J'en ai quelques stacks. On est 4 stacks, ça me suffira. Faire slash home, tant pis. Hop. Donc, on va poser tout ça. On va se faire chauffer ces petites poupoudres. Non, ça c'est le fuel, c'est vrai, faut que je fasse gaffe. Hop. Les petites fioles. 1, 2, 3, 2. Une redstone. Ah, c'est marrant, faut mettre deux redstone d'affilée pour la faire celle-là. Donc une redstone pour faire une mundane. Ensuite la redstone powder pour faire celle-là. Ok, donc ça va se faire tout seul. On va utiliser le prosperity pour faire des prosperity ingots. Pareil, on pourra se faire des prosperity seed base qui serviront à faire toutes les graines. Les graines suivantes. Vous voyez que si on veut planter par exemple de l'osmium, il faudra cette graine-là, ainsi que du coup de l'osmium, et un différent tiers d'essence, dépendamment de si c'est chaud ou pas à avoir. Vous voyez que du end steel, ça a l'air compliqué à avoir, donc ça demande du supremium. Nous, on commencera avec les tiers 1, évidemment. Essayer d'automatiser un petit peu la création, bah, vous voyez par exemple de ça qui nous donnera des water essence, et avec les water essence on peut faire tout ce qui va être en rapport avec de l'eau. Donc on peut créer de la dripstone par exemple avec de l'eau et de la stone. Donc c'est vraiment de la création chimique de base pour tout ça. Donc ça c'est assez sympa. On va pouvoir automatiser tous les blocs qu'on va avoir besoin pour cette chose là qui est dans ATM Star en bas. Toutes ces choses là là, je pense que la dirt sera le premier qu'on fera. La netherrack, on va certainement en trouver quand on ira miner de la netherite tout à l'heure. On va regarder combien on en a à peu près. Et voilà, l'obsidienne. L'obsidienne, c'est facile à avoir. Pareil, on peut casser les gros piliers dans la tour, dans l'end. C'est 60 000. Ah ouais, c'est 60 000. 60 000 obsidiennes, je pense que ça peut pas se faire trop auto non plus. Donc on verra bien. Blaze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on s'en faire un peu plus. Voilà. Donc on va avoir le charme de lapis lazuli, le charme de redstone. On va les mettre avec les autres. Voilà. Ça, j'ai toujours pas regardé ce que ça faisait. Faudra qu'on regarde à un moment, mais là pour le coup, on s'en fiche un peu. Alors qu'on a quoi ici? Redstone. On peut se faire, en vrai, on peut se faire la platinium, juste histoire de. Blaze. Voilà. Le Charm of Platinum Sight. Ça va être très très cool tout ça. Donc. Ça c'est bon. On a aussi nos diamants, nos petits lingots qu'on doit faire. Donc c'est avec des lingots de fer, je crois. Et du prosperity. On va s'en faire un stack. Parce que ça c'est pareil, on va avoir besoin de beaucoup. Quand on fera en fait non, on n'avait peut-être pas besoin d'autant. Bon, ce sera fait, cela dit, hein. Mais quand on fera du prudentium, tous les objets en prudentium, les améliorations de prudentium, etc. Ça sera avec ça. Donc il vaut mieux avoir les lingots déjà prêts, avoir voilà, réservé un petit peu ça. C'est surtout les diamants, je crois, hein, les gemstones qui seront utiles pour tout ça. Vous voyez que déjà ici, pour les growth accelerators, ça ce sera vachement utile. Donc ça va faire pousser la plante qui est au-dessus un peu plus vite. Et il y a une range de 12 blocs. Ce qui veut dire que si vous en mettez 12 l'un sur l'autre en dessous d'un farmland, ça va pousser encore plus vite. Donc
cet Inferium là, il sera utile au début. Je sais pas comment on va le setup exactement. Je pense que pour l'instant on va rester sur nos hoppers de Botania. Enfin, de Botany Pots. On avait vu aussi qu'on pouvait tisser donc des farmlands différents. Maintenant qu'on a Silk Touch, peut-être ça peut être le moment de regarder pour quelque chose de plus intéressant, notamment le Rich Soil Farmland, qui est où le Rich Soil Farmland? Il est là, 1,25, qui est vraiment pas mal. Ou sinon, alors c'était ouf. Je me souviens qu'on en avait un qui était bien, mais on pouvait pas le faire. Ce qui c'était avec des fertiliseurs. Ancenium Farmland, ouais. Il y en a un qui doublait un petit peu l'output qu'on pouvait ressortir de ces choses-là. Je me rappelle plus ce que c'était. Speed x 1. On peut mettre du bois? C'est étonnant ça. Bon, 0,5 sur ça. Donc ouais, je pense que le Rich Soil sera le mieux. Il n'y en a pas énormément non plus des choses qu'on peut mettre dans les Botany Pots. Fertilizer. Nous, on avait ça là. Increase crop output. Ça, du coup, si on le met sur des vrais farmlands avec les gros accélérateurs en dessous, on va, pour chaque plantation, vraiment optimiser ce qu'on peut ressortir. Donc ça sera très utile hein, quand on voudra maximiser les outputs et avoir le maximum de production. Faut qu'on pense à un truc aussi, c'est que là, si on commence à produire énormément, il va falloir stocker énormément. Et ça va se faire principalement, je pense, avec des drawers, avec un drawer contrôleur. Ou alors commencer à faire des disques pour stocker un peu tout ça. Avec par exemple la Terre, on en a 1900. On pourrait automatiquement avoir quelque chose qui nous ferait ça. Hop. Voilà. Donc ça voudrait dire que toute la Terre qui arrive dans le storage serait automatiquement compressée en x9. Et ça, ce serait pas mal. Ça éviterait de prendre autant de place dans les coffres. Parce que bon, les choses, voilà, on en a 800 copper, 1100 inférium. Donc l'inférium, on peut les transformer en blocs. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on en avait 25 des blocs d'inférium. On a une inférium seed aussi qui traîne là. Donc on aura moyen d'optimiser l'espace plus tard. Mais il y a plein de choses qui viendront dans le storage par milliers qu'on ne pourra pas faire ça. Donc là, on devra pour le coup avoir ça. Donc je pense que le storage contrôleur, comment ça se faisait déjà? C'était au tout début, ça je crois, dans le basic storage. Functional storage. Donc storage drawers, distance relative. My first drawer, donc linking tool. Compacting drawer. Ah! Donc ça, c'est pour compacter en... fois donc ouais bah, en fait c'est ce que je viens de faire avec le setup avec le mechanical crafter mais en un seul bloc et ça le storage controller complacé et connecté avec un linking tool pour à d'autres drawers ça acte comme un hub si on clique avec les Si on double-clic droit dessus, tous les items à l'intérieur du storage drawer vont être pris de votre inventaire. Ok. Alors, est-ce que ça peut marcher de connecter ça avec un external storage afin de remplir automatiquement les drawers? Je ne sais pas. On va regarder. On va crafter déjà. Hein. Mais il s'appelle pas Drawers, il s'appelle comment le mode? C'est juste Functional Storage, ok. Alors, Fluid Drawer, Fluid Drawer, Fluid Drawer, Compacting Drawer. Déjà celui-là il m'intéresse, on va se refaire un petit piston. Oui, on va le faire avec du fer s'il vous plaît, merci. On va s'en faire quelques autres. Hop, parfait. Donc le compacting, celui-là, comment il marche? Donc si je fais ça, que je mets cobble
Ça compacte tout seul. Oh, c'est génial. Ok, je fais quoi? Quoi pour l'ouvrir? Shift-clic droit, ok. Cobblestone x 1. Attends, on va en prendre plus. J'arrive pas trop à comprendre comment ça marche. Il y a une limite. On va regarder ce qui est écrit dessus. Compacting Drawer. Cet objet peut convertir les objets placés à l'intérieur en leur forme de nuggets ou leur bloc de leur forme de bloc. Donc si on place du fer, ça va permettre de sortir soit 9 nuggets, soit si on met plus de fer, d'avoir un des iron blocks. Ok, donc c'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais je crois que ça va marcher quand même. C'est juste, j'ai l'impression le storage est tout petit. Pourquoi ça dit slot empty ici? Ah, faut être précis au niveau du clic. My bad. Ok, donc si on clique en haut. D'accord, donc déjà si on clique en haut, on a accès à l'interface. Si on clique là, on peut récupérer les blocs qui sont au-dessus. D'accord. Là, c'est le x1 et là, c'est la valeur de base. D'accord. Donc si je récupère tout ça et que je mets ça en valeur de base. Non, parce que si on fait ça, ça fait rien. Ok. On va essayer avec le fer, voir un peu comment ça marche. Si je mets du fer. On va accéder à l'interface. Ce qu'il disait, si on en met. Si on met un lingot. Ça veut dire qu'on pouvait sortir des nuggets. Alors je sais pas comment on s'y prend pour faire des nuggets. Mais en tout cas, on peut compacter les choses. Donc ça, c'est bien. On va faire plutôt des compacting drawers quand on aura des choses qui se compactent, hein, comme la cobble, la stone et surtout la netherrack, je pense. Et ça, du coup, est-ce qu'on peut mettre un external storage dessus? Voyons voir. Si je mets juste ça là, et qu'à l'intérieur, je mets... Est-ce que j'ai la cobble dedans? Alors pourquoi j'ai accès à rien? Ah bah oui, je viens de casser le plus utile. Oups. Voyons voir, cobble. J'en ai 290 si je retire tout. Et que je mets tout là-dedans. Quoi, tout vider. Donc là, j'en ai mis 647 comme ça. J'ai pas l'impression que ça compresse trop. Comment ça se fait qu'on a encore 647 cobble? Déjà, ça fonctionne. Ça fonctionne avec ça. Donc c'est une bonne chose. Par contre, pourquoi je ne peux pas... Pourquoi je peux pas... On est 71, 7. Ah, est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est... D'accord, ok, je comprends. Wow, fou. Donc en fait, on n'a pas 747 plus 71 plus 7. On a juste 647. Mais là, ça nous display en tant que... Ici, c'est compacté x1 et compacté x2. Donc si jamais on veut juste les compacter... On a juste à poser notre truc là-dedans et récupérer comme ça. Et vous voyez que ça diminue le chiffre en bas. Et là, il ne reste plus que 80 cobblestone à l'intérieur. Ok, d'accord. Alors par contre, est-ce que du coup, à l'intérieur, je le retrouve quand même compacté ou pas? Si je marque cobble. On a quoi? 20 cobblestone. On va reprendre toute la cobble, on va toute la mettre dans le drawer. Déjà, j'ai tout sorti d'ici. Ok, ouais, donc là, j'ai tout sorti. Alors déjà, ça marche. C'est vrai que j'ai pas noté, mais ça marche que au niveau x3. Ou alors, faut que je mette un x2.
Que si je mets du x1, ça fera rien. Ouais, c'est ça. Ok, donc si j'en mets 1. Si je mets celui de cobble. Faudrait que je mette 1, 2, 3 et que j'en fasse un autre où il y a 4, 5, 6, un autre où il y a 7, 8, 9, logiquement, pour être bien. Enfin bon, le 7, 8, 9, je pense pas qu'on en aura besoin, mais on sait jamais. Ok. Bon, je vois un peu plus comment ça marche déjà, ça c'est bien. On va décompresser. Oh là là, toute la cobble, ça va me faire. Mince, c'est quoi que je mets là-dedans? Cobblestone x1, nous on veut la cobble de base. Hop. Parce que là, ça prend beaucoup plus de place. Ouais, c'est ça, je suis à 2048 là-dedans, je crois que c'est le max. 2000. Ok. Donc ça, on peut les améliorer, hein, les drawers. Est-ce que... Ah bah attendez, functional. Storage upgrade, copper upgrade, gold upgrade, diamond upgrade. Oh waouh, ok, ça coûte cher. Alors on va faire le premier déjà, je pense. Ouais. On va faire celui-là. Quelques blocs de copper. Et un drawer, tout simplement. Comment on fait un drawer? On va s'en faire un cherry. Hop. Cherry drawer. Je crois que j'en avais déjà fait un, non? Il me semblait que j'en avais crafté un sans le vouloir au début quand je faisais ma maison. J'ai pas le souvenir de l'avoir récupéré, tant pis. Donc, copper upgrade, qui augmente le storage des items par 8. Donc déjà, ça c'est pas mal, on va peut-être le passer directement en gold pour avoir x16. Ça coûte cher, hein. Oh la vache. Et il a son petit upgrade en bas à droite, parfait. Donc ouais, je comprends un petit peu pourquoi le compress il peut être bien, c'est que ça évite tout simplement ça. Oh la vache. La tonne que ça donne. Alors on va regarder un petit truc quand même aussi. Au niveau des cables. Cables de Refine Storage. On va s'en mettre un ici, ici. On va le connecter par là avec un external storage. On va se refaire des external storage. Hop. Peut en faire deux en plus. Déjà, on va en connecter un là. Et si j'en mets un là? Donc là, j'ai 5900. C'est ça. J'en avais déjà un petit peu dedans. Est-ce que ça va le mettre là-dedans automatiquement. Priority. Si je mets priority 1. ,100, exactement, d'accord. Donc, j'ai de la cobble certainement qui traîne dans les coffres. On va... Ouais, on va faire ça. On va récupérer la cobble qui est de base. 69 ici. Hop, parfait. Et donc là, logiquement, si je rebranche, j'ai mes 6100 qui sont dedans. Et si je fais ça, ça augmente, vous voyez le chiffre à droite ici. Donc ça va aller dedans ce truc-là. Ça va éviter de polluer notre coffre derrière. Avec une priorité de 1 sur ça. Et si jamais j'ai un autre truc où je veux que la cobble aille en priorité dessus avant d'aller dans ça, et ben ça va aller dessus. Je mettrai juste niveau 2. Donc la priorité 0, c'est les coffres. Donc si on ne met pas de priorité, tout ira dans les coffres. Si jamais on veut qu'un truc aille ailleurs que dans les coffres, on met une priorité 1 sur les external storage. On voit que ça marche très très bien. Hop, alors oui, c'est vrai que c'est... Hop, c'est infâme. Mais c'est plus facile de les mettre là-dedans. C'est bien, on découvre des trucs. Donc déjà, on a 9000 cobble là-dedans. On est à 9000 sur 32 000. Ok, donc c'est pas mal, hein. Au niveau de Deep Slate, est-ce qu'on en a beaucoup de ça? On n'en a pas beaucoup, ça va. Mais pareil, on pourrait l'allonger là-dedans. Et ensuite la connecter avec ça. Donc là, vous voyez que si je fais ça, je vais avoir un drawer
par type de bloc, ce qui va être très très coûteux. Donc potentiellement se faire le hop. Où est-ce qu'il est? Storage controller. Si je fais le storage controller, j'ai peut-être moyen d'accéder à tous mes drawers en même temps. Il faudra juste que je fasse du coup un linking tool. Alors ça c'est très très spécifique, ça fait un peu peur hein, ces machins-là. Contrôleur access point. Alors il fait quoi le contrôleur access point? Est-ce qu'on a des infos un petit peu sur le questbook? Bon déjà ça c'est fait. Hop. Il me demande de faire le gold. On peut le retirer ou pas? On peut le retirer. Alors oui, il faut que je retire tout ce qu'il y a dedans, forcément. Oh, quel enfer. Comment je vais faire ça? Est-ce qu'on peut pas le compacter? Voilà, 1600. Je devrais pouvoir retirer ça. Parfait. Juste histoire d'avoir le... L'objectif. Comme on doit faire celui en diamant aussi, je pense qu'autant le faire. Ça donne du gold, donc tant mieux. On va faire celui en diamant. Faut des blocs, c'est pas grave, on peut en faire. Il en reste pas mal quand même des diamants, mais si jamais on peut toujours aller en miner. Hop, parfait. Deux diamants, on a une légère compensation. Ok, Dark Gem. Ok, donc on va décrafter tout ça. Et ça va aller là-dedans, super. Là du coup on a combien de place? 49 000. Donc, est-ce qu'on avait un truc pour la cobble dans la quête de base? Oups. On a quoi? On a obsidienne, diamond. Netherrack, Nether Star, Dirt, and Stone Block d'Emerald. Donc la dirt. La dirt, avoir 530 000 dirt. C'est énorme, hein, 530 000 dirt. Là, vous voyez qu'on est déjà. Avec tous les stacks que j'ai, ça fait que. On était à 6 000, je crois, quelque chose comme ça. Alors oui, c'est chiant, ça fait ça dans ce truc-là. On va les re-ranger. On pourrait la garder en compresse si on voulait prendre moins de place. En vrai, je vais peut-être faire ça. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je veux un contrôleur pour avoir tout ça qui va au même endroit. Alors, je sais pas si lequel des deux va me falloir entre le access point. Contrôleur access point. Et storage contrôleur. Je pense qu'on doit faire le contrôleur de base. On va se refaire des drawers comme ça, j'ai l'impression qu'il en faut pas mal. Hein. Hop, donc. Contrôleur. Des blocs de quartz. Ça paraît, le quartz, on en a pas mal, c'est pas trop mal. C'est un petit stack de blocs. Et ça. Donc si je fais ceci. Range. Alors là, ça va pas détecter ma cobble, non, parce que je n'ai pas connecté avec le linking tool. Donc le linking tool, comment on le fait? Il faut encore un drawer. On va se faire ça. Hop, des drawers. Pareil, je pense que ce serait bien un moment de se faire des drawers pour les bûches aussi, parce que les bûches elles vont influer vraiment automatiquement à chaque fois. Donc ouais, il nous faut le linking tool. Ça peut être bien si ça se remplit tout seul sans problème, vu que là le coffre là-bas pourrait potentiellement à un moment être rempli au max. Ça va pas te déborder, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'overflow, mais je pense que ça va peut-être être relou. Ok, donc si je fais ça. Là, ça marche, d'accord. Donc en fait, j'ai moyen. Alors attendez, c'est quoi la zone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un chunk. Ok, donc on a 16, une zone de 16 par 16 de drawers qu'on peut mettre.
qui sont tous connectés à un seul external storage. Donc c'est beaucoup plus rentable que ça, forcément. Très très cool. Donc ça c'est une quête aussi en plus. Dans le storage ici. Voilà, donc le linking tool c'est fait. Il nous donne un drawer en plus, Ça. Voilà, du coup je l'ai... Alors je n'ai pas connecté lui, mais c'est vrai que je peux le connecter aussi techniquement. Pourra mettre des choses dedans. Donc si je mets ma cobble... Alors on va peut-être mettre la cobble x1. Elle est où la cobble x1? Elle est là. Voilà. Donc là je vais avoir cobble x1, cobble x2. Et si jamais j'en veux, je peux avoir de la cobble x3. C'est ça. Donc là, si mettons, j'avais l'envie folle de faire énormément de blocs x3. Donc là, ça l'a vidé celui-là. Génial. Est-ce que ça va comprendre que ça doit aller dedans? Je pense pas, hein. Donc la x3 elle est ici, ça sera x4, ça x5. Je crois que si on sort toute la... tout le truc, ça va pas le mémoriser. Je sais pas si on a moyen de mémoriser un drawer, parce que si on vide un drawer complètement, la recette part, on va dire. Configuration tool. Ah bah. L'objet de configuration est utilisé pour loquer à l'intérieur des drawers les objets pour se souvenir lesquels mettre à l'intérieur. C'est utile quand vous voulez mettre un système de pull and push des drawers. Et comme ça ne remplacera pas l'objet qui est à l'intérieur si c'est lock. Donc, parfait, hein. On va se faire celui-là aussi. Et on va lock celui-là. C'est ça, hein. Shift sneak right click, rien, tout change node. Swap to hide show amounts. Swap to locking. Lui il est locked. Ok, c'est bien ça. Hein. Comment on voit si c'est locked? Y a pas de petit cadenas ou une petite indication quelconque? Ah, c'est bah, y a un cadenas qui vient d'apparaître. C'est incroyable comment le mode fait exactement ce que je veux qu'il fasse. On avait plein de copper upgrade aussi, c'est vrai. On est pas... J'ai pas... Je l'ai pas mentionné, mais. Je peux faire ça en vrai? What? Attendez, mais je viens de réaliser, c'est beaucoup mieux de faire plusieurs petits plutôt qu'un énorme. 1 million. Attendez, si je mets tout dans le même, ça donne quoi? Oui, que ça fait 24, on avait 40 000 x 8 x 8 x 8. Donc c'est oui, c'est exponentiel de fou en fait. Bon, je pense pas qu'on aura 25 millions de ce truc-là. Je pense que se faire les drawers déjà où on aura nos... Alors on le déplacera certainement, on le mettra peut-être là, je pense. Nos drawers avec une priorité de 1 pour aller dans les drawers. Tous les drawers, donc tout ce qui peut se mettre dans un drawer ira dans un drawer. Tout ce qui ne pourra pas ira dans les coffres. Ça économisera déjà pas mal de place. Pourquoi j'ai du poulet moi? Qu'est-ce qui... Ok. Donc, on va récupérer ça. Alors, on a aussi des trucs, des upgrades de range, j'ai l'impression. Sur ça, peut-être, je sais pas. Ça dit range, donc peut-être on peut augmenter pour avoir plus de portée, mais bon, on est déjà très très bien avec un chunk, hein. C'est assez grand. Je pense pas qu'on sera embêté avec ça. Ok, donc on va prendre... Notre external storage, faut pas oublier de mettre du coup en priorité une qu'on va connecter avec un câble. Voilà. Et à partir de là, on peut connecter tous nos drawers côte à côte. Alors on va en faire combien? En plus, on va les... je pense qu'on va les faire en rose parce que du coup, c'est la couleur de la maison. On va en faire 8. Boop, 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 boop. Voilà. Donc nous, ce qui va nous importer, ça va être la netherrack. On va les mettre hein, tout de suite, comme ça, ils seront là. Pop, pop, hop. C'est en bas.
Donc ceux-là. Alors Netherrack, il en faudra 500 000. Donc il faut au moins 500 000 de place dans ce truc-là. Lui, il est locked. Et du coup, est-ce que ça va le crafter automatiquement? C'est ça que je veux juste me voir. Si jamais je prends cobble. Attendez. Ah oui, non, bah il est plus connecté forcément. On va prendre les drawers. Donc ça reste dedans. Les drawers, c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Et voilà. On va le connecter. Ça a bien déconnecté les anciens emplacements. Parfait. On va lock la cobble. Configuration tool. Sur ces deux-là, on va se mettre aussi de la netherrack dans les autres. Vous voyez qu'on a déjà une fois 4, on a déjà 6 000 hein, de la netherrack. C'est pas dégueu du tout. On va mettre ça ici, on va le lock. Il nous faut quoi d'autre? La dirt et de la headstone. Pareil, la dirt, on en a pas beaucoup, hein, par contre. On va le lock. On va aussi se faire du coup limestone. Est-ce que j'en ai récupéré? J'en ai récupéré un petit peu. Oui, ça va, j'en ai pas mal. Ok, donc là, ça va être l'état brut, on va dire. Pourquoi j'ai mis deux fois la terre? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va là-dedans? Si je remets de la terre, attendez, il se passe quoi? Ça va en priorité dans celui vide en haut, comme ça. Donc je devrais les remplir quand même, ceux-là. Parce que celui-là, il est lock. Si je le délock, il se passe quoi? Oups. Bon, là, j'ai 3400, on va éviter. Si je les lock tous, en vrai. Je vais tous les lock. Ah oui! Donc ça veut dire que tant qu'on a des storage drawers de vide, tous les objets qu'on va mettre vont aller dans le storage drawer. Donc faut qu'ils soient de toute manière lock pour éviter les soucis. Ok, c'est bon. Donc là j'ai 21 blocs de terre. J'en prends 6. 21. Ok, parfait. Donc là tout ça c'est privilégié. Tiens, c'est privilégié par le système. Ok, je vois comment ça marche. Alors, le compacting maintenant. Donc si j'ai plein de cobble et que je veux faire, donc là je regarde un peu ce qu'on a dedans. On a 3. On a 7 x 3. Ok. On a 7 x 3, ça veut dire que si je fais logiquement un peu plus. On va mettre la x2 déjà dedans, peut-être plutôt. Ok, on va le déloc pour retirer tout ça. On va mettre du coup la x2 à la place. Même peut-être la x1. Elle est où la x1? Elle est là. Si je mets la x1 ici, ça met x1, x2, x3 logiquement. Ça, c'est ça, ok. Donc x1, x2, x3, on lock tout ça, et ça veut dire que dès qu'on va s'en faire, donc là si j'ai 582 x 1, et que je prends un peu de cobble vanilla pour en faire plus, mettons un stack en plus. 694, parfait. Donc ça c'est notre cobble de base et dès qu'on la craft en meilleur tiers, ça va aller là-dedans et être storé comme ça. Donc ça c'est bien parce que ce truc-là on va peut-être en avoir besoin de beaucoup quand même de temps en temps, d'en avoir je sais pas 300, 400 dans nos storage. Donc, on n'est même pas obligé de lui mettre l'upgrade en diamant hein, en vrai. Ça va suffire et dès qu'on aura plus de place pour la cobble comme ça,
On la craftera en comme ça et elle se storera ici. Ce qui sera beaucoup mieux. Donc ça prend beaucoup beaucoup moins de place. Je regarde juste un truc. Mince, pas ça que je voulais faire. Ça fait des choses quand je fais ça. Ah oui, ça déloque tout. Ok. Linking tool. Saute tout single. Non, d'accord. Je savais pas si on pouvait mettre aussi des chests dans ce truc-là, qu'on se considérait que c'était des chests ou pas. Bon, ça c'est bon. Donc la netherrack, elle va s'accumuler ici. Évidemment, on va essayer de faire en sorte de pouvoir en mettre pas mal. Et il faudra faire du coup d'autres compacting drawers qui vont nous permettre de stocker un peu plus ces choses-là. On fera une belle, un beau système, hein, bien rangé. Mais là déjà, c'était pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Ok. Bon. Ça, c'est good. Niveau storage, on voit un petit peu ce que ça va donner plus tard. On va ranger notre wrench. Les graines du coup de... Hop, de mystique à l'agriculture. On regardera l'altar aussi la prochaine fois. Là, on va aller dans les dimensions. Donc on va aller dans le... On va aller dans celle qui est dans l'end d'abord. Parce que c'est juste le vide. On pourra commencer à setup une petite base. Stronghold. Et on va placer aussi du coup des waystones. On va en placer une dans l'end directement. Alors on va pas la placer ici. On va la placer là, je pense. Oh. Gros relou. Ouais, faut pas que le. Pas que les mobs puissent nous atteindre. On va faire ça un peu plus haut. Hop. Me semble que les Endermans spawnent pas s'il y a de la lumière dans l'end, donc ça devrait être good. Et ici, du coup, c'est end. Voilà. On va se mettre juste à côté. La warp plate, faut juste faire gaffe hein, que l'Under Dragon vienne pas si jamais on le respawn. Mais je crois qu'il vole assez haut en temps normal, donc c'est bon. On va aller voir ce que c'est cette dimension, donc le Beyond. Ok, on est en couche combien? En couche 64. Voilà, alors je sais pas ce qui se passe si je tombe, si je meurs et que je perds tout mon stuff ou quoi. Ancient Polished Stone. Alors ça c'est bon signe. Parce que ça veut dire que c'est vraiment All the Modium et ces modes-là qui rajoutent le. Qui rajoutent les anciens quelque chose. Et on a vu que le Ancient Wood était utile pour des bibliothèques de meilleur niveau. Ça pourrait être cool. Alors c'est vrai que je fais ça, mais j'ai totalement moyen de faire. V. Hop. Beaucoup plus facile pour agrandir notre surface, vous en doutez bien. Voilà, faudra chercher de la cobble pour améliorer ça, mais déjà c'est très bien. Alors, j'aime bien la météo. Il y a du soleil quand même, c'est pas tout noir, c'est pas le void, c'est le beyond. Ouais, biome, all the modium, beyond. Donc je pense pas que le mob spawn dedans. Donc ça c'est cool. Si jamais on veut construire par exemple une ferme à mob et qu'on veut pas qu'il y ait d'autres trucs autour, genre un, des spawners ou ce genre de choses, on peut venir ici. Ce sera cool, ce sera notre bac à sable un peu. Ok, donc celui-là c'est fait. On va aller dans le Nether. Alors est-ce que j'ai une... Non, j'en ai pas. Bah, on va aller dans le Nether, on va se poser une waystone aussi. Tiens, salut toi. Oh, yes, yes, yes. Attendez, c'est quoi qu'il demande? Un stack de diamants, 32 Phantom Membrane. C'était lui qui avait besoin de 32 Phantom Membrane. Ok, vite. Est-ce qu'on peut lui en acheter deux d'ailleurs? Je pense pas qu'on aura assez de Phantom Membrane. Non, ah dommage. Bon. Ça se trouve, de toute façon, on peut lui échanger qu'une fois, ça m'étonnerait pas. Il n'a pas passé le portail. Vite, ne meurs pas, s'il te plaît, j'ai besoin de toi.
Ouais, on peut le faire qu'une fois. OMG! Sharpness 10, Life Mending 5, Looting 5, Unbreak 5, Scavenger 5. Ça fait quoi Scavenger déjà? Oh! Ah oui, c'est le truc monstrueux ça. Bon, cette épée va falloir la désenchanter immédiatement et la mettre sur une arme. Est-ce qu'on n'aurait pas même moyen là de se faire déjà une meilleure épée? Celle-là un peu naze quand même hein. Voyons voir. Si je voulais l'améliorer en vibranium, on a la vibranium template. Oui, d'accord, c'est juste qu'elle s'appelle juste Smithing Template. Ok, donc ça c'est bon. Si je prends ma Smithing Table, je perds les enchantes en faisant ça ou pas? Non. Ok. Alors on passerait à 22 dégâts là. Hein. On passe de 16 à 22. Et j'ai Skulk Smite dessus. Est-ce que je m'en fais une deuxième? Ou pas? C'est quoi le problème avec celle-là exactement? Il n'y en a pas vraiment. Hein. On va voir si on peut rajouter. Ouais, on va faire ça. Déjà, on va la crafter, je pense. Hop. Voilà, une épée en vibranium. En plus, c'est un succès. On va voir des trucs. Oh, l'épée de fou que j'ai là. Ok. Bon bah franchement, trop bien qu'on ait trouvé ce villageois, enfin ce petit gars. Il méritait la vie, il méritait de se faire rétrécir parce qu'il était cool. Alors, est-ce que j'ai pas moyen de fusionner? Ça, je vais devoir le désenchanter. Hop. Désactiver ça, désactiver ça. Et c'est pas possible. Ah non, c'est un autre bouton, c'est vrai. C'est quoi le bouton? C'est celui-là, ok. J'ai changé de bouton, c'est pour ça. Et c'est ça que j'ai activé, d'accord, j'avais pas vu. Tout va bien. Hop, un petit livre Sharpness 10, rien que ça. Alors je pense pas que, même avec mes 91 niveaux, on pourra se faire... Oh, consume dressing healing to repair items. Ah, c'est pas mal ça en vrai. C'est encore mieux que juste mending. Bah après, ouais, du coup, life mending, on va le mettre sur autre chose. Sur les élytras, ce serait bien ça, life mending. On va pas le mettre sur l'épée vu qu'elle est incassable, ça servira à rien. C'est là en tout cas. Hop. Je pensais que c'était. C'était du vol de vie. Ok, on vient de retirer le looting 5. Hop, hop. On va retirer le unbreak 5, pareil qui servira à rien sur notre épée. Par contre ça, ce sera utile. Le scavenger, ok. Donc, mon épée là. Alors la Skulk Smite, je pourrais pas mettre sharpness. Je peux mettre Sharpness? Ah, ça vire le Skulk Smite. Ah, dommage. J'aimerais bien avoir un truc Skulk Smite quand même à un moment, je pense. Est-ce que je perds d'autres trucs? Non, je perds rien. Bon. Déjà, passer de 22 à 28, ce sera cool, mais... 73 niveaux pour avoir le Looting 5. Est-ce qu'on a vraiment besoin de looting 5 en vrai? Parce que c'est monstrueux un looting 5. Déjà on pourrait le désenchanter. On pourrait désenchanter entièrement et tout remettre je pense.
Mais je veux m'assurer d'avoir suffisamment de niveau si je fais ça. Et Scavenger, on pourrait le mettre, ça c'est pas un problème. Il coûte que 10 niveaux en plus. On va la désenchanter. Je crois que j'ai assez de niveau. Hop, hop, hop. On va tout retirer, on va pas gaspiller les lootings et ce genre de choses. Merde. Fallait que ça arrive, ça. Désactive mon jetpack. Mon jetpack, il est au max d'ailleurs. Hein. Niveau énergie, là, on est yimbe. Ok. Est-ce que je m'embête à virer tout ça ou pas? Le Vorpal 2 et le looting 3. Pour le looting, en vrai, non, en vrai, on va pas se faire d'autres épées de toute façon, je pense. On va mettre ça. Donc 73 niveaux. Ça m'a pas coûté beaucoup, donc c'est bien. Capturing. Non. 10 niveaux. 10 niveaux, sharpness 10, alors que mettre capturing 3, c'est... D'accord. Limit breaker. Qu'est-ce que j'ai fait? Scavenger, 10 niveaux. Leash, 131, d'accord. Et ça, 139. Oui, bah oui. Compliqué. Du coup, la Eternal Vigilance, elle aura bien été cool. J'ai quoi là? J'ai quand même looting 5. J'ai à peu près ce que j'avais avant, moins ces deux-là. Donc ça, on s'en fout, ça, on s'en fout maintenant. On va ranger tout ça. La warplate, on la garde. Ça, c'est good. Donc il me reste ces deux-là à mettre, hein. On va ranger aussi les trucs qu'on a été minés. Pareil, on pourra se faire un truc qui pourra prendre dans le storage et le mettre dans le four directement pour faire chauffer tous les lingots. Si jamais, genre les croches et ensuite les faire fondre. Pour être quelque chose d'efficace. Alors, on va activer le magnet, on va activer le magnet. Je vais me faire le steak avant d'oublier. Comment il s'appelle ce truc-là quand on le fait pas cuire? Everlasting. On va le faire chauffer lui. Hop. Alors j'espère qu'il n'y a pas un cooldown sur les deux. Qu'il n'y en a que sur un, comme ça, dès qu'on sera dans la dimension de minage, ben on va tester. On va prendre de la dirt, tiens, voir un petit peu. Ok. Shit, bon, dommage. On aurait essayé. Donc on peut pas abuser avec ce truc-là. Donc ça sert à rien d'en avoir deux. La dirt. Voilà. Donc là, tout ce qui nous manquera, hein, pour ces trucs-là, c'est un truc qui va compresser automatiquement à la limite quand on aura ces machins-là. Et on peut toujours le faire nous-mêmes. On y pense. Note combien tout ça? 3 fois 729. Ouais, c'est très peu encore. Ça va être long tout ça, hein? Ça va être long. Il va falloir automatiser au maximum ces choses-là. Ok, donc le téléport pad, on va le mettre dans. Du coup, le Nether que je voulais faire en allant faire ça. On va certainement devoir se faire. Je suis en train de me dire. Parce que l'effet XP boost, il est assez monstrueux. Mais il me faudrait un truc unbreak vraiment, genre bien. Il me faudrait une pioche en fait qui a énormément de durabilité ou quoi que ce soit. Et sur lequel on met unbreak 5. Et XP boost, et comme ça, quand on va miner du skulk, on se fait 30 niveaux d'un coup.
Là, je sais pas si je vais me faire beaucoup de niveaux. Est-ce qu'elle a XP boost ma ou? Elle est où ma ou? Elle est là. Non, elle a rien. Il n'y a plus rien qui a XP boost. On peut pas mettre XP boost là-dessus. Est-ce qu'on en a quand même pas mal dans l'ancien city? On va pas casser le skulk ici, mais là, peut-être. On gagne quand même de niveau, hein. C'est pas dégueu. Ouais, en vrai, ça va, hein. On n'a pas besoin de plus, je pense. Pour les niveaux 130. Hop. Ça donne rien, ça. Hein. On pourrait aller dans la dimension en vrai du Deeper and Darker à un moment aussi pour avoir du Skulk. Pour avoir de l'XP, je pense que ce serait une très bonne dimension. Donc ouais, on va devoir chercher la bouffe. Hein. Je pense prochain épisode, on va planter et regarder un peu pour les systèmes de nourriture. Donc, ah, c'est un pot qui vient de tomber, ok. Donc 94 niveaux, c'est pas mal. On va atteindre le niveau 130. Ouais, en vrai, ça va très très vite quand même. Hein. Surtout, je crois que à partir du niveau 30 et quelques, ça arrête d'être exponentielle la progression. C'est-à-dire faut pas vraiment beaucoup plus d'XP pour passer les niveaux. Donc là, je gagne un niveau à chaque cycle. La pauvre N City qui ressemble plus. Enfin, la pauvre ancienne City qui ressemble plus du tout à une ancienne City là. Hop. 107. C'est pas mal tout ça. Ça redescend un petit peu ici. 110, 111. 112. 113. Je crois qu'on a viré tous les shriekers. Hein, si jamais il y en a encore. Pas très grave. Je pense qu'on peut se tuer en Warden en vrai, non, hein, si jamais. Avec l'épée qu'on a maintenant. Alors j'ai mis Sharpness du coup dessus. Pour faire plus de dégâts au truc en général. Parce que je me dis qu'on a plus de chances de tuer un Warden. Mais devoir aussi tuer par exemple, je sais pas, le Wither ou ce genre de choses avec cette épée là, de toute façon elle est suffisamment puissante là hein, pour éclater n'importe quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant. On va essayer, dès qu'on aura mis les enchantements sur l'épée, de se faire un Warden, voir s'il nous drop énormément de trucs ou pas. Tiens, il y a du Prosperity, on va le prendre ça. Niveau 122. Alors est-ce que ça va m'utiliser mes 130 niveaux d'un coup ou pas? Ça c'est l'entrée, faut que je fasse gaffe à pas tout virer le skulk. Hop. Je suis en train de la dépecer cet endroit, c'est génial. Voilà notre vengeance sur les Warden. Niveau 129. Hop, on a de la laine aussi. On va en récupérer un petit peu. Faudrait que je retrouve où j'avais mis mon. Ah, faut que je fasse gaffe d'ailleurs en faisant ça parce qu'il y a un shrieker qui est enfermé dans de la wool. Si je fais ça, il casse la wool qui est. Ça va être embêtant. Je crois que c'était de l'autre côté, hein. J'avais mis un poteau. Hop. Alors niveau 135 déjà. Est-ce que on peut mettre un des deux? Donc lequel serait le plus utile? Récupérer les œufs des mobs ou se restaurer de la vie quand un mob est tué?
Donc ça c'est 131. Ça c'est 139. Aïe. Aïe aïe aïe. Oh le moins 130 niveau là qui fait très très mal. What? Ah ouais, on gagne énormément d'XP quand même, hein. Ça c'est mon insight qui fait ça, hein. C'est mon insight et mon XP boost sur les gants peut-être. Attendez, est-ce que ça marche? 51, 53. Ça marche aussi avec les points. Hein. Regardez si j'enlève mes gants, ça marche quand même. On va voir. 54, 56. Ça marche quand même. J'ai pas l'impression que c'est un gros impact les gants. Ouh là là. Oh, le niveau 135 là, c'était waouh. On a un gros mur ici, ça tombe bien. Hop. Ouais, c'est pas là non plus qu'on a notre spawner, enfin notre warden. Ça monte vite quand même, hein. J'ai des diamants. On va les prendre. Je pense que ça vaudrait quand même le coup de se refaire un. Oh tiens. Que vends-tu? Rien. Me vend des têtes de Wither squelette, mais c'est pas un souci vraiment. En vanilla, ce serait incroyable, mais n'est pas en vanilla. Loin de là. Hop. Ça, c'est bon. Encore des diamants. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, on a utilisé quelques-uns là déjà avec tous les crafts qu'on a fait. Quoi, c'est un minimum gaffe. Oh! De l'arcane débris. De Iron Spellbook. Le minerai endgame qui demande une pioche en azurite pour le briser. Allez, 101, plus que 30 niveaux. La Darkstone de Forbidden Arcanus, ça donne quoi ça? Juste de la cobble. Hop. 111. On n'a pas revu d'autres All the Modium, hein. C'était vraiment que au plafond. Oh tiens, on le voit toi. Ok, ouais, c'est bien là qu'il est notre shrieker. Faut qu'on fasse très gaffe. Est-ce qu'il est connecté au niveau de la laine à d'autres trucs? Ouais, on va le déconnecter hein, parce que. C'est bon, il ne détecte pas quand je fais ça. Non, elle est vraiment cachée dedans. C'est parfait. Ça va éviter les problèmes quand je ferai ça par exemple. Voilà. Là niveau laine on est bien aussi hein. Ça me perturbe qu'on voit le dessous du shrieker. C'est ouvert ici, j'avais pas vu. Ok, tout va bien. Aïe aïe aïe, ça fait peur hein. Je crois que ça a vraiment créé une nouvelle peur, ce truc-là dans.
dans la tête de plein de joueurs, de voir un shrieker genre dans ton champ de vision, ton sang se fige vraiment. Si surtout c'est en vanilla, avec là on est un peu OP, mais c'est quand même assez stressant. Alors en vanilla c'est 10 fois pire. On va avoir épluché tout le skull que de cette zone. Hein. Falloir aller dans l'autre dimension ou trouver d'autres deep dark pour avoir de ça. Ok, il nous reste 10 niveaux, on est bientôt au bout. Bah là, on va avoir une épée, mais monstrueuse. Sachant que j'ai vu que capturing, on pouvait l'avoir jusqu'à niveau 8, 9, 10, je sais pas. Je pense qu'il y a un moment où on cherchera aussi quelque chose pour avoir de l'XP vraiment encore moins en forçant, c'est-à-dire vraiment très très passivement, très très calmement. 132, allez, on est bientôt. 133, 134. Alors, est-ce que c'est toujours 139 ou est-ce que je me suis vraiment fait avoir? Ah! Ah! Ouais, 200 soit de quasiment le double, quoi, en fait. Ah, du coup, c'est-à-dire, là, tout ce que j'ai récupéré, ça sert à rien. Jamais je vais faire les 267 niveaux, sinon là, on y passe une heure. On y passe une heure pour un capturing qui serait même pas le niveau max. Non, non, on va rentrer, hein. On va rentrer tout simplement. Oh la vache. Ah, je m'y attendais pas, c'est vrai que j'aurais dû regarder immédiatement. Bon, le capturing, on va le laisser là. D'ici à ce qu'on ait 267 niveaux. Voilà quoi. Tout ça c'est bon. Allez, on va aller dans le Other, voir un petit peu ce que ça donne cette dimension. Ce qui paraît, il y a un boss méga dur dedans, donc ça va être intéressant de regarder ça. On va mettre ça là. Hein. Faudrait juste espérer qu'il n'y a pas de ghast en face. Voyons voir. Ça le spawn. Hein. J'hésite à. Attendez, mais j'ai spawn dans quoi là? Bah. Hello? Oh wow! Ah, je suis sous terre, je crois. C'est fou qu'il m'ait fait spawn là-dessus. On va se faire un escape tunnel. Pourquoi je peux pas vein mine? Ah non, je fais des escape tunnels, je suis bête. C'est quoi ça? Bloc. Oh. Oh, ça m'a fait peur. Ok, donc c'est. On va se mettre une petite colonne. S'en fout de retourner à la maison, hein, mais. Déjà, il y a des wither squelettes, il y a des sortes de vignes. Et il y a des blocs de raw minerais, c'est insane. Anciens vines. Ancient berries. Yeah. Ok. Ah, c'est trop dommage pour le capturing du coup. Parce que je pourrais pas récupérer les œufs des mobs en les tuant. On pourra pas faire des spawners custom pour l'instant. Et faudrait passer 267 niveaux. Oh, c'est cool, on a soul speed. Il est ouf, il y a un mob épique qui vient spawn. Là, on a des blazes. Ouais, c'est bien des blazes. Alors, ouais, vous voyez, 8 blaze rod en 2 blazes, c'est pas mal. Ow! Il a 184 HP. On lui fait quand même très mal, hein. Il a une armure et. D'ailleurs, il a une armure en Night Metal, lui, non?
Ironwood, ouais, c'est ça. Oh, what the fuck? XP Boost 5. On a XP Boost sur notre shield? On a XP Boost 4. C'est vrai que je l'équipe pas, mais. Peut-être que je pourrais avoir plus d'XP. Ça y est. On est OP. Quand on one shot les Enderman, c'est. C'est le seuil. Le vol est désactivé dans cette zone. Ah, intéressant. On a drop une tête déjà, c'est pas mal. Faudrait qu'on se fasse un void upgrade pour. Wow, ah, c'est les nuages. Pour void de tous les. Encore un mob qui a spawn là. C'est quoi comme mob? C'est un. C'est un évoqueur? Totem of Undying? Il a 268 HP, what the fuck? Oh shit, ok, ouais, lui il est fort. Il va si vite! Let's go! Un autre grimoire d'évocation. Repellent 6. Ah ouais! On va aller voir le donjon qu'on avait vu là. Je pense que c'est ça le truc du pilier, non? Et pour les blades, par contre, ici c'est génial, hein. On voit rien avec les nuages. Très stylé. Oh, c'est de la prismarine. Oh. Moi, ça me va, c'est de la prismarine. Combien de têtes là? J'en ai 11. J'en ai 11. On va ranger ça. Le totem, il va être cool, hein, quand on fera des wardens, si jamais il y a un shriek qui part et qu'on l'a pas vu ou quoi. Ça nous sauvera bien la mise, je pense. Je vais couper mon sort. J'ai. Non, on va attendre avant de le casser, ce donjon. On va le faire déjà. Oh, les enclumes! On va attendre avant de les casser. On va faire le donjon. Il y a d'ailleurs des mobs hein, sur la map de ce qu'on voit. Donc les labyrinthes. C'est peut-être pas un labyrinthe. Oula. Spawner à Witch. Oh, c'est bien ça. What the fuck? Bon, ça va, c'est du Warped Wood. Ça. C'est quoi ça? Esprit vengeur. Là, c'est une petite torche, hein. Dégage-toi. Bah, super les loots dans cet endroit. Ah, j'entends des piglins. Est-ce que c'est ça le boss piglin? Spawner zombie. On va récupérer tous les spawners avec la seal touch, je pense. Notamment le spawner à Witch. D'accord. Je sais pas si c'est normal que les coffres soient tous vides comme ça. Ça c'est fait. Ça c'est une autre entrée. Ok, donc c'est une. C'est juste une croix en fait, la forme du bâtiment. On va donc avoir la même chose ici, forcément. Oh, c'est trop bien ça pour les witches. Oh là là. On a quand même bien fait de mettre le vol de vie. On pourra se mettre capturing quand on cherchera un mob en particulier.
Ah, wow! Oh le loup de zinzin! Attendez, on va. Déjà, on va. Un petit tour en mode cassage de spawner là. Bonjour. Oh. Mais c'est pas possible. What? C'est le meilleur donjon qui existe celui-là. En plus il est facile, enfin on est très bien stuff. Hein. On est full diams, hein, je vous rappelle, mais. Oh, oh. Sick touch. Non mais c'est pas possible. Mon inventaire. C'est toutes les épées ça, c'est... on va les virer. Pareil les arcs. On s'en fout tout ça. Qu'est-ce que je peux jeter là-dedans qui me sert à rien? Des bottes en quoi? En style, on s'en fout. Celui-là on va le garder quand même. Oh le bruit qu'il y a! Oh là là, désolé hein, si c'est fort. Est-ce que c'est très fort? Aïe. Abaisser un peu le son. Mobs, hostile créature. Voilà. 13 têtes de zombies. Hein. J'ai un truc qui décapite ou c'est quoi? Ah oui, j'ai peur pâle. Bon, ça c'est fait. Donc il y avait un coin qui était naze, de fou. Attends toi. Oh! C'est le piglish. Il a combien de vie? Il a 10 000? Non. J'ai mal vu. Il a 1000? Non? Oh là là. Marche bien l'épée hein. On reprend un donjon comme ça avec Mais attendez, mais c'est pas possible. Par contre s'il a 10 000 HP c'est qu'il fait très mal je pense. C'est bon là. Je vais peut-être mettre un sweeping edge. Sweeping edge serait pas mal sur mon épée étant donné que je fais vraiment beaucoup de dégâts. Oh là là, par contre c'est infernal. On va rester au... On va clear déjà cet étage là. Celui-là il est fait. Et il y avait que des coffres en bois, c'est bizarre qu'il y ait des coffres en bois ici. Tant pis hein. Donc lui c'est fait. Lui... C'est celui qu'on vient de faire. Il nous reste lui. C'est ça. Tiens, elle a résisté à un coup d'épée lui. Il était balèze. Par contre, il avait pas l'air très dangereux le piglish, hein. Enfin, en tout cas, il m'a pas gros direct. Respiration. Oh oui. Village Defender, qu'est-ce que c'est que ça? Tuer 50 raiders, mais j'ai pas tué de raiders. Ah, c'est des... Les witches, c'est des raiders. D'une certaine manière. Oh! What the fuck? Tout cela, on s'en fout, mais... Les stuff en netherite qu'il y a. Je vais mettre tous les stuff, tous les trucs comme ça dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense qu'on va avoir les sandwichs là. Hein. Il me faudrait un truc pour me protéger de l'effet Wither. À un moment. Tout ça, ça va être mis là. Ça. Les bundles, ça on s'en fout. Y a pas mal de trucs sur ça, mais bon. En vrai de vrai. On s'en fout. On va poser ça. Le bundle. En vrai, le bundle, c'est pratique pour tous les trucs qu'on a en... En peu de fois, mais... On en a beaucoup. Ça on s'en fout.
Attends, on a sharpness et fléau des arthropodes. Ok. Pas mal, pas mal. Mais attendez, je savais pas qu'on pouvait faire des gants en netherite. C'est insane. Eh mais on va le passer en fait notre niveau là. Hein. On va arriver de niveau 260 avec tout ça. Hop, allez, dernière zone du rez-de-chaussée. Ow. En tout cas, c'est d'abord. Parce qu'on regarde où on en est dans les quêtes là, parce que je pense que pour tous les mobs là, ça devrait être bon, non? Le squelette c'est fait. Alors il faut pas que je... faudrait pas que je prenne les rewards tout de suite. Donc ça, les witch là, on est à 84 sur les 50. Donc on tue encore quelques witch. Oh là là. Les coffres de zinzin. Deux casques en netherite dans le même truc. Et se dire que ça c'est du stuff où je suis là en mode ouais ouais c'est bien, c'est bien. Mais genre c'est pas un truc où je saute de joie, c'est assez... ça en dit long sur ce... sur ce à quoi on peut s'attendre plus tard. Parce qu'on a des trucs quand même vachement bien, hein. On a l'Ur 5. On a l'Ur 5. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai à toi? Donc ouais, il faut tuer quoi du coup? Les squelettes, les zombies c'est fait. Les wither squelettes. Oh, il manque 3 squelettes. 3 wither squelettes et j'ai ça. Les blades c'est pareil. Et surtout les witch. On vous servait plus à rien là. Allez-vous-en. Encore des witch ici. Est-ce qu'on a pas 3 petits wither squelettes là? 1, 2, 3, et voilà. Faire ce donjon avec un stuff moins bien que le mien, ça doit être infernal. Il y a du petit monde ici. Il y a un mur de mobs. Oh! Ah bah alors les Zona Witches, oh la vache, on va se mettre une petite torche au sol. J'ai l'impression de tanker pas mal. Mais on a le vol de vie de toute manière, donc dès qu'on tue un truc on se fait régène. Oh les Witches là, oh là là. Regardez-moi ça. Faut qu'on soit, c'est le wire... j'ai oublié de faire le wireless rangement là. Spawner à squelette. Hop là, ça vient ça. Oh, j'ai trop de trucs sur moi, je peux plus rien ranger. Zombie. Wither squelette. Wither squelette. Witch. On va laisser celui à Witch vu que les Witch font rien. Et au moins je peux le farm pour les 100. On va poser tout ça. Tous les Witch Hats là. J'en ai combien des Witch Hats? J'en ai 8. On s'en fout en vrai des Witch Hats. Non. Ça sert à avoir la Glowstone, la Redstone. Des bouteilles. En fait, je crois que j'ai pris un peu trop de spawner sur moi. Certainement. Peut-être ça qui me prend le plus de place au final. Et tous ces gold nuggets là, je pourrais peut-être les... Hop. On va se faire des lingots.
C'est fou comment on est passé de se faire détruire à littéralement là je suis en train de craft alors qu'il y a des mobs qui m'attaquent. Et ils se font plus mal que moi. Bonsoir, bonsoir. Spawner à Wither Squelette, ouais. Les spawners à zombies là, tout ça là, on va les poser. On va se mettre ça dans un autre coffre. À quoi tu... Oh là là. Attendez, j'ai 512 Rotten Flesh déjà. What the fuck. On peut en faire un bloc de Rotten Flesh ou pas? Parce que... Non. Pas le compacter. On va en poser un peu alors. Tout ça, ça va aller là. Ça, ça va là. On s'en fout. Tous les scrolls là, on s'en fiche aussi. Donc zombie. Les Wither Squelettes, on va garder. Zombie, on s'en fout. Zombie. Squelette. Les Witch, on va garder au cas où. Squelette. Voilà, on garde les Witch, les 4 Witch et le Wither Squelette. Ah mince, j'en ai gardé un. J'en avais un là. Ok, allez. On est à combien de witch là-dedans? 79. Waouh. C'est monstrueux. Refine glowstone, on s'en fout. Un arc, on s'en fout. Ça y est, le coffre à netherite, il est fini. Ça, on s'en fiche aussi. C'est beaucoup mieux avec moins de spawners là-dedans. Et des patates, on s'en fiche. Oh, c'est pas bientôt fini. J'ai mis des torches, pourtant ils spawnent quand même. On est à combien là, sur les witch? Il en reste 10. Bon, je pense qu'on peut casser ça, on va en trouver de toute façon. Voilà, est-ce qu'on a bientôt récup? Oui. Eh ben, cet endroit c'était quelque chose. Hein. On a 4 couloirs comme ça. Hein. On va faire ça en vitesse. Hop. Ah. Les coffres vanilla. Donc les coffres vanilla, il n'y a rien dedans. Je sais pas pourquoi ça en met de temps en temps. Peut-être une histoire de chunk. Des coffres vanilla aussi. Oh là là. Est-ce qu'elle tire mon armure? Parce que mine de rien, j'arrête pas de tanker depuis tout à l'heure. Allez, on y va. Hop. Au revoir. On a encore cet endroit. Coffres vanilla. Ok. Je sais pas pourquoi on a eu 3 zones sur 4 avec des coffres vanilla donc vide. Oh là là. Bon, on saura que si jamais on a besoin d'autres Wither Spawner, Wither Squelette Spawner, on pourra venir ici. On a fait chaque endroit ici. Hein. Donc, il reste le sommet. Où on avait d'ailleurs le boss, je sais pas où il est passé, hein, parce qu'il nous a un peu snobé, c'est pas très agréable, mais... Oh là là! C'est fou de faire ça! Surtout qu'il y a des silenternes, les trucs qui peuvent même pas... Ils peuvent même pas spawn. Ah,
On a un autre de l'autre côté. Je m'excuse, j'en ai rien à faire que tu sois là. Je vais juste déjà empêcher tous les mobs de spawn. La petite witch est gratos. Ouais, tout ça en pause. Tous les coups, ça s'est re-rempli évidemment. Allez, il n'y a plus de spawner normalement à cet étage-là. Il en reste qu'en haut. On va aller voir en haut. Oh là là, oui. Spawner à zombie, ça. Oh, il va être embêtant à casser celui-là. Oh là là, on va éclairer un peu déjà, peut-être ça en empêchera 2-3 spawns. Ah, on a les sandwich. Et les coffres du milieu sont des coffres de mode, donc potentiellement du loot pas trop mal dedans. Attendez, mais si les loots des autres coffres c'était des trucs vraiment OP, ça va être quoi là-dedans? Je vais avoir un coffre rempli de Totem of Undying, ça se trouve. J'aurais cassé tout cela. Oh, il y a 4 blocs de netherite. Ok, alors ça c'est vraiment un truc qu'il me fallait quoi. Vraiment génial. Ça veut dire on fait un donjon comme ça, on rush le dessus. On peut avoir un stack upgrade de netherite. C'est long à casser ça. J'ai cassé le spawner, j'ai pas cassé le spawner. Casser tout ça. Ça c'est fait, il en reste là-haut. Parfait. Normalement, si je tue tout le monde, j'en ai plus qui spawn. Pourquoi il y a encore autant de mobs? C'est fou, j'ai pas tué tout le monde là? Je peux pas y croire. Pas possible. D'où ils sortent tous? Ah, mais il y a un truc en haut là. C'est quoi ce qui est au milieu là en haut? Ouais, on n'y a pas accès par là, donc c'est bien un truc en haut. On prend des blocs. Je crois que c'est de là qu'ils viennent. Hein. Oui. J'en ai fait un étage secret. Oh là là, ça fait mal tout ça. Je sais pas combien de têtes de Wither Squelette on va avoir, mais. Non, j'ai cassé avec la mauvaise truc. C'est pas grave. Et je sais pas où est passé le boss, du coup, je l'ai pas tué. Il a vraiment, vraiment déguerpi quoi. Pourquoi il y a encore autant de mobs? Je veux savoir où sont tous les spawners. Moi je full clear le donjon. Il y en a moins déjà, mais c'est parce que. Je sais pas pourquoi en fait. Bon.
Le coffre de zinzin, là, il y a quoi dedans? On va regarder ça. Tac. Broken spawner, on s'en fout. Les spirit orbs, à la limite, ça peut être utile. Bon, des épées en netherite. Tu sais, je suis blasé maintenant en recevant des épées en netherite. Moi, je veux des lingots plus. Ce serait mieux d'avoir des lingots. Oh, et... Je pense qu'on va devoir revenir. Faire un petit slash home. Ah, il reste 1 minute. Ok. On va revenir. De toute façon, on sait où c'est ça. Hein. On va poser un petit peu ce qu'on a récupéré. On a récupéré 2-3 petites choses sympas. Oh la vache. Mais c'est pas possible d'avoir autant de d'enchantes. On va pas tout regarder, hein, mais. Ah! J'ai un pig spawner, non? Pig spawner! Oh! Alors je pense que c'est parce que j'ai dû voir un spawner d'un mob étrange et ça a pas. C'est pas trop. Spawner scrap, ça s'en fout, c'est un peu la tège. Voilà. Pareil, le bundle, le vrai bundle. Bah, le bundle, on peut que le trouver, mais. C'est quoi tout ça? Fire résistance. Ça fait quoi? Scroll of Gluttony 4. Que genre. Ça se s'utilise que sur un allié. Bon. Oups. Alors, on a eu du Vibranium aussi. Alors, on n'a pas eu de. Le dernier type de minerai de All the Mod, mais on a quand même eu des choses très décentes, surtout là-dedans, quoi. Hein. Ok, alors on va vider ça. Donc déjà on a eu ça, un peu de Rotten Flesh aussi. Heureusement que j'ai agrandi le storage hein, avec un nouveau coffre, parce que là on en a des choses. En plus c'est des choses non stackables avec tous les tous les trucs, j'ai 39 têtes de Wither, plus. Voilà. Un stack et 8. On pourra se faire quelques Wither sans trop de problèmes. J'ai le Totem of Unending, ça c'est cool. On va le garder quelque part dans ça. Le Vibranium, c'est cool aussi. Plein de sticks, mine de rien. On n'y pense pas, mais c'est cool. Énormément de gemmes d'apothéosis. Faudrait qu'on se mette au cutting hein, un peu sur les. Sur apothéosis à un moment. J'ai lu un petit peu juste avant de commencer l'épisode apothéosis pour voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai découvert deux, trois petites choses sympas, mais. Hop, voilà. Le nombre de diamants qu'on a eu là-dedans. Mais toute la dimension, elle est stacked. Hein. Genre vraiment le. Déjà, les minerais, ils se génèrent en blocs de raw. Donc, c'est assez insane. Hop. Et je crois qu'il y avait un minerai hein, qui se trouvait que là-dedans. Ouais, hop, 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 hop. Tout ça, c'est fait. D'ailleurs, on est pas mal avancé sur le bounty board. Oh! Oh! On peut mettre 8000 items sur chaque slot. Oh, j'ai eu 3 Nether Stars. On est à l'épisode 13. Bon, c'est des longs épisodes, mais. On est à l'épisode 13. Et vraiment, on a ça, quoi. On a déjà 3 Nether Stars en reward sur un petit truc. Ok. Oh là là, tous ces enchantes là. Bon, on va pas essayer nos niveaux tout de suite, hein. De toute façon, on sait qu'on doit mettre capturing. Parce que là, on a les spawners, hein. Il restera plus qu'à mettre les mobs en question dedans. Mais waouh! Waouh, c'était. Oh, j'ai oublié de mettre une waystone dans le truc, c'est pas grave. On peut y retourner facilement. On va aller finir ce donjon, regardez si on peut pas tuer le boss déjà. Hop!
test, c'est où déjà? Ici. Pareil pour récupérer de la soul sand si jamais on veut, il y en a plein ici. Que des raw. C'est quoi, c'est de l'aluminium ça, du silver, du tin. Pour l'instant on a vu deux minerais. Je sais pas s'il y a des grosses grottes, genre vraiment. Peut-être plus profond, c'est vrai qu'on est en couche 126, hein. Peut-être que la majeure partie de la dimension elle est sous terre aussi. C'est vrai qu'on est allé que sur la surface pour l'instant. Ça parlait de forêt, j'ai pas vu de forêt, donc soit on est dans un biome à l'extérieur où il n'y a rien. Genre une Soul Sand Valley quoi. Bah The Other Soul Sand Valley. Donc ouais je pense c'est comme le Nether. Et c'est biome par biome. On va aller finir ce donjon là-bas. Heureusement qu'on a sous speed hein. Refine d'obsidienne. Aïe. Allez, on y retourne. On va prendre les six lanternes aussi avec Seal Touch. Et non, il n'y a pas de prismarine, c'est juste les lanternes qui sont. Non, elles sont toutes damaged. Voilà, à chaque entrée, on récupère un petit peu de ces. Il est là, lui! Mais c'est quoi ce boss? Frérot, t'es nul? C'est ça le boss ultra dur là? Alors je suis d'accord, il a de la vie et tout, mais. Il est très dur à toucher parce qu'il bouge bizarrement. Pourquoi ça hitbox déjà? Quel combat de boss donc? C'est quoi ce boss français là? 9300, allez. Elle a intérêt à drop un truc lui hein. Pourquoi ça disait que c'était le boss le plus dur? C'était ironique? C'était quoi l'histoire? Ou alors il est pas complètement implémenté, je sais pas. Ils l'ont mis hein, il a des HP mais il a pas d'animation. Il a pas une IA combative non plus. Il a pas d'attaque. C'est peut-être un nouveau. Une nouvelle partie du truc. Oh là, ça va être si long à tuer. En fait, je comprends pourquoi c'est un boss. Hein. Juste qu'il est chiant à tuer. Je peux pas le coincer dans des blocs là pour qu'il arrête de bouger dans tous les sens. Non, 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 non. Voilà. Voilà, on va faire ça pendant encore. Il a encore 8200 HP, mais c'est pas possible. Ouais, ça va mieux comme ça quand on fait des crits. Oh shit. Non, 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 non. Faudrait que je casse le bloc qui est au-dessus plutôt. Il y a des trucs au-dessus. Hop. On va faire ça comme ça. Et casser ce bloc aussi. Et mettre le bloc là. Mais regardez, il fait rien du tout. Ça pourrait être mon pote limite. Bon. Ah! Je vais mettre une planche pour ça, hein, parce que là. Vas-y, recule un peu. Voilà. J'arrête pas de casser la scie lanterne avec ma super vitesse d'attaque. 7200, allez. En vrai, les gros crits, ils font très très mal, hein.
qui est sur le point de se casser. Allez, 6000. On a fait un tiers, ouais. Mais là, avec les, ouais, avec les crits, on fait beaucoup plus mal. Ça va aller beaucoup plus vite. Ouais, il perd 50 à 60 par coup. Si on avait backstabbing, si on avait backstabbing et le machin qui fait plus mal au piglin, on serait vraiment pas mal. Si jamais il drop des lingots de netherite, c'est pas impossible qu'on refasse ce boss là. Et du coup, on fera une épée spécialement pour lui. Hein. Mais déjà, les 4 blocs de netherite, ils sont vraiment pas de refus. Hein. Je vois pas l'intérêt de faire le donjon au complet parce qu'il n'y a pas de lingots dans les autres trucs. C'est bon, on a un tiers de sa vie. J'en perds ma constance sur mes crits tellement il est immobile. Ça va, on fait une pause? Non? Ah ok, on continue alors. Je le plains un peu en vrai parce que bon. Pourquoi? Attendez, je regarde un truc là. Le donjon le plus dur. Le mob le plus fort dans ATM, le Piglish. Piglish Earth to make the best alloys. Ah, il donne des Piglish Earth. Lui il donne des Piglish Earths. J'espère qu'il en donne beaucoup. Hein. Je veux pas faire le boss 20 fois. Hein. Déjà on a looting 5 et on a le machin qui a des chances de roll la sa loot table 2 fois. Donc. Allez, 1600 HP. C'est 3 Warden. Sa vie là. En vrai, même en Warden, on galérerait, hein, parce que là, là c'est à peu près un Warden. Là, ce serait un deuxième Warden. Il faut une bonne vingtaine de crits pour tuer un Warden, je pense. Il en drop que 3. Ah, Piglish, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Plus 1 spawn count. Number of entity spawned at once. Pour avoir plus que 8. Piglish Earth. Terrestrial agglomération. Oh non. Pour des alloys. All the modium alloy. Waouh. C'est ça la meilleure pioche? Attendez, l'épée a fait quoi? 47. Attendez, mais le Noctanium? L'épée en Noctanium? Attendez. Elle fait combien? Elle fait 31. Ah oui, 47. Donc faudrait faire botanie à toute manière. Pour avoir des utilisations de ce machin là. Ouais, ça va être juste des alloys. Et ça, ça sert. Donc faudra faire de toute manière tous les types d'alloys possibles. 3 alloys de chaque pour chaque type d'arme. Ah ouais! Oh là là! Mais ça peut se faire dans l'enchanting apparatus. Enfin, donc ça, c'est avec Ars Nouveau. Mais faire... ce truc là, ça il faut passer par Botania, j'ai l'impression. Mythic Botany, Mana Infuser. Ouais, obligé de passer par là donc avoir ça. Ou alors, avec Powa, que je préférerais potentiellement faire peut-être. Parce que 1 milliard de FE, 1 milliard ça va, ça va. C'est tellement de l'abus ce modpack, génial. Non! Quoi, il y en a un autre? Ah bah on viendra plus tard, hein. Tu embêtes. Mais il y en a plein.
Il y en a tellement. On va déjà en récupérer les enclumes. Hein. Si vous voulez bien, même si elles sont abîmées, c'est pas très grave. Pareil, les hoppers en vrai. Bon, les hoppers, on s'en fout un peu. Il y a le nombre de piglish qu'il y a. Oh, what? Ow! Ah, oh, il m'attaque! Toi, tu m'attaques. D'accord. Ah, ils ont décidé d'être... Ah oui, là ils attaquent vraiment. Ok. Ah oui, oui, d'accord, ok. Waouh, ok. On va récupérer les enduits sur les endroits restants et puis on va bouger. Parce que bon... Il fait mal, hein, c'est vrai, il fait assez mal, mais il fait moins mal que les Warden et surtout il est lent, quoi. C'est pas vraiment un boss. Allez, au moins on a eu 8 enclumes. On a eu 4 blocs de Nésurite. Genre vraiment les 4 blocs de lingots de Nésurite là. Oh aïe aïe, ça met bien. Est-ce qu'on n'a pas un autre donjon comme ça? Regardez, on va explorer un tout petit peu le monde. Je vois qu'on est déjà à 2h16, mais on peut prolonger un petit peu. Hein. Je voulais vraiment qu'on explore cette dimension aujourd'hui. Comme ça, l'épisode prochain, on fait les plantations et peut-être create, ce qui sait. Oh, c'est lent, c'est super grand ce truc. En plus, on peut pas voler. Il y a un ghast là-bas. Un ghast normal. C'est un ghast normal. Ah, j'ai pas de flèche. Voyons voir. Ça m'a tout l'air normal. Donc j'ai eu la chance en fait d'avoir ce donjon juste à côté du spawn apparemment. Ça se trouve pas tout seul. Il fallait faire quoi déjà pour avoir le machin qui... où on peut choisir la structure. Le structure compass. En vrai ça maintenant ça paraît pas si abusé. 4 lingots comme ça et 4 lingots comme ça. Et du coup je pense que ouais pour la netherite on va pas avoir besoin d'en miner spécialement. Hein. Ça va être principalement de la courir dans ce monde et chercher le bâtiment. Est-ce qu'on en a un autre sur la carte? Non. C'est immense hein, par contre. C'est que de la sous le sol et de la sous le sol, mais il n'y a rien. Oh la vache. C'est quoi ça? Raw uranium. On va miner un peu, regarder ce qu'il y a dans les grottes, quand même, dans cette dimension. Ah! Il me manquait un blaze pour avoir le truc. Ok. Couche 122. Oh! Et de l'orage? Il y a de l'orage dans cette dimension, c'est quoi? Je pense que ce qu'on va faire juste après, ça va être creuser sous nos pieds. Toujours rien. Ah ouais, j'ai eu beaucoup de chance en fait de le trouver ce donjon. Hein. On va explorer encore un peu, je pense. Et si jamais on trouve rien, à la prochaine grotte, on pourra aller dans un trou et regarder ce qu'on a en dessous. Parce que couche 165, c'est énorme. Hein, surtout si on a les couches négatives aussi dans ce mode-là. Ça pourrait être vraiment pas mal. Mais là, je me dis, avec le stuff qu'on a déjà... Il y a de grandes chances qu'on... Hop. De grandes chances qu'on... Oh, j'ai eu 6. Donc là, je crois que j'ai eu le... J'ai eu le scavenger hein, sur ça. J'ai loot deux fois sa loot table. En vrai, je me dis... Non, j'ai pas de tête de wither squelette. Parce que là, se faire des wither, en vrai, ce serait pas déconnant comme idée. Il y a des wither squelettes ici. On va y voir combien de wither squelettes il faut pour faire un wither. J'ai une tête. Ok. Ok. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai, je me suis mis un peu loin, mais bon, je pense pas que le combat se passe mal. On a déjà fait un wither, c'était pas trop compliqué.
Juste faire ça. Regardez si on peut pas drop Nether Star. De toute façon, il nous en faudra des Wither Stars. Alors, on n'est pas un Wither près. Eh, dis donc. Très bien, oui. Alors, oui, c'est vrai, juste que je. Faut que je fasse gaffe juste à l'effet Wither, hein. C'est vrai que je suis pas immunisé à ça encore. Allez, bientôt mid life, il va venir au cac, super. J'en ai eu une, j'ai eu un cœur, j'ai eu des Wither Rose aussi. Ouais, les Wither Rose, c'est vrai pratique ça. Ok, donc ouais, en vrai ça va, ça se fait tranquille. J'ai eu un deuxième comme ça ou j'en avais déjà un? Je sais pas. Alors, on va aller dans un trou, on va regarder ce qu'on a sous terre. Il y avait une grotte juste à l'instant. Elle est là. Putain, j'ai combien là? Encore 8 secondes. Voyons voir. Attendez, en vrai, je viens de penser, je peux peut-être faire ça. Il y a The Other sous le Sun Valley, ça en est dedans. The Other Desert Hills. The Other Desert. The Other. Il y en a un. Une distance zéro. Oui, c'est la dimension, c'est le monde général peut-être qui donne ça. Ok. Voyons voir. J'entends des bruits, je sais pas si ça vient du jeu. Oh, wow! C'est la Deep Slate de base? Oh! Oh! Oh là là! Ça a l'air d'être normal. C'est du platine, ça, je crois. Du raw platinium, 6 blocs de platine comme ça, gratos. Bah ouais, écoutez, on est sous terre, hein. Ça ressemble vachement à du vanillé. Y a pas les arbres. J'ai vu qu'il y avait des arbres. Peut-être dans les autres biomes, le désert et qu'on a ça. Déjà pour les blazes, c'est pas mal, hein. En attraction, on va des blazes, c'est là qu'on vient. Moins chargé que le nether en mob quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, go maison, hein. On a trouvé ce qu'on voulait. Je suis un peu, je vous cache pas, je suis un peu déçu de la dimension. Il y a des choses sympas, mais je m'attendais à avoir des grandes forêts, des trucs comme ça, un donjon vachement poussé. Je pense que c'est que cette dimension-là, elle en a cassé des buts, certainement. Mais j'imagine que ce sera de mieux en mieux au fur et à mesure. Ah oui, non, j'en ai eu deux, des Blaze Instruction Manual. Qui ont 10 spell slots. Bah, je crois que j'en avais déjà eu un. Ouais, j'en avais déjà eu un. Ok, on en a trois en tous ces trucs-là. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non. Ok, on a eu 8 enclumes, ça, on dit pas non. Et surtout, toute la netherite qu'on a eu là, c'est waouh. Alors, je vais regarder un truc aussi, c'est vrai que ça fait longtemps que je peux faire ça. Les petits cœurs là que j'avais, que j'arrête pas de drop d'ailleurs, j'en ai 42. Je peux m'en faire des canisters. Et ça demande des wither bones qu'on peut faire. Des canisters qui sont avec du fer et des os, donc ça n'est pas un souci. Hop, on va en faire 16. Hop. Et il nous faut des reliques Apple, qui ça du coup on peut en faire pareil. Ah, on n'a plus de pommes, ok. Donc voyons voir. Comment ça marche?
Vitality Blade, right click to open. Ça se met où ça? Attendez, at. Est-ce qu'on a de la documentation là-dessus ou pas? Ça sert à quoi? En fait, dans un ancien mode, quand on faisait clic droit avec ça, ça nous donnait des cœurs en plus. Là, j'ai déjà des cœurs en plus par le mode qui nous rajoute de la bouffe. Alors peut-être que j'aurais dû commencer par faire ça d'abord, et là j'ai déjà trop de cœurs pour que eux ils marchent. On va essayer avec un cœur. J'ai quoi comme cœur? Bah, je les ai un peu tous. On va essayer avec un cœur jaune. Alors ça me fait un peu chier, mais on peut les crafter de toute façon celle-là, donc c'est pas grave. Non, ça fait rien, on peut pas. Y a pas un slot particulier que j'aurais pas vu, cosmétique armor. Non. C'est les skins de moi, on s'en fiche. Ah, je sais pas. Et puis c'est pas écrit là-dedans, peut-être dans le. Les Earth Canister, non? Pas c'est de la magie, si c'est non, c'est un petit mode comme ça, il n'y a pas trop d'infos dessus. Bon. Bah écoutez, on verra ça. Ça se mange forcément. On peut en faire quoi d'autre? Un patch, ça c'est pour soigner. Illamount 6. Ah, on peut en faire au lieu de les manger directement, on peut se faire des patchs qui ont plusieurs durabilités. Ça peut être pas mal, c'est quoi ça? Soul Earth Crystal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas envie de crafter avec les Echo Shards parce que les Echo Shards ça se drop que. Ah, ça se drop avec les Warden, ok. Ça en drop un à chaque fois. Bah, peut-être qu'on peut le faire. Je sais pas du tout à quoi ça va servir. Ça sert juste pour l'épée? Soul Amulet. Je comprends pas trop ce mode pour le coup. Yeah, mais ça c'est un très vieux mode, hein, je m'en souviens. Et normalement, on peut avoir des cœurs en plus. Mais c'est fou que le jaune ne marche pas, j'ai des cœurs jaunes pourtant. On va essayer le vert. Il faut quoi pour faire le vert? Une Nether Star. Oh là là. On va pas le faire tout de suite, on va pas le crafter tout de suite. On va déjà regarder ça, on regardera ça pour le prochain épisode, je pense. Je regarderai ça de mon côté. On va juste valider nos petites quêtes et puis ensuite on va pouvoir se dire au revoir, je pense, pour aujourd'hui. On a fait un épisode un peu plus long, 2h30. Donc, déjà à commencer, Evolcraft. Oups. À cet endroit-là. Evolcraft n'est pas vraiment méchant, ça utilise juste beaucoup de sang de vos ennemis. Donc, dans votre voyage pour fabriquer les objets requis pour l'étoile, vous avez besoin de beaucoup de sang. Et. Il y a une quête pour commencer à faire ça. Donc, Evolcraft, c'est un mode basé sur la magie. Collecter le sang de vos ennemis et récupérer le pouvoir des anciennes sources du mal. Et tout peut être trouvé dans les Origins of Darkness. Alors, ce livre-là, on en a, mais genre 220, je crois. Ouais, on l'a là aussi. Je crois qu'on l'a. On l'a quelque part ici aussi, ouais, donc ce livre-là, en fait, on va le mettre là et les autres, on va les jeter parce que ça sert à rien. Hop. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est ça. Là, je vais le faire pendant que j'y pense. Netherite. Ils sont mes 8 blocs de Netherite. Suis-je fou? Je ne les vois pas. Bah, ils sont mes 8 blocs de Netherite. J'ai des récup. What? Quoi? Je regarderai le rush entre cet épisode-là et le suivant. Je sais pas du tout où c'est passé. Est-ce que j'étais full inventaire, je les ai pas récup et du coup ils ont despawn? Non. Mais non, je remarque Nézoïde, il n'y a rien.
Ah ouais. Parce que là, on a de quoi se faire 4 lingots et tout, mais ouais, si on n'a pas les 4 blocs, c'est cher. Je regarderai ce qui s'est passé, du coup. Mais il me semblait les avoir vus dans le... Dans ce truc-là. What the fuck? Bon. Bah écoutez. On regardera ça l'épisode prochain. On va continuer la quête ici. Bon, ça, on l'avait fait tout à l'heure. On a un petit gold upgrade, on va le mettre sur... sur Limestone, hop là. Là, le stack upgrade de tier 4. Parce que ça nous la drop, mais ça coûtait 8 blocs de Netherite. Ils viennent de m'ordonner un. Ils viennent de m'ordonner un, c'est une blague. Attendez, je pourrais en avoir combien en total? 130 nuls. Je pourrais avoir 130 000 items sur le même slot là, avec tout ça. C'est juste pour une quête que ça sert. Bon, le jukebox, on va le poser, hein, parce qu'il sert plus à grand chose. Mais 130 000, je pense pas qu'on atteindra un jour un stack rempli. C'est insane, hein, c'est insane. Vraiment. Et du coup, on l'a en diamond encore. On pourrait le passer en netherite, ce backpack. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Ça coûte pas trop cher, je crois. Il est où mon backpack? Il est là. Faut juste smithing template et netherite. Ça, de toute manière, on va le faire. Il n'y a pas de débat. Hop. Parfait. Et donc ça, on va le mettre dans le bac. Voilà, c'est un peu mieux avec une ligne en plus. Ok. Fou. Bah, je sais pas ce que... Et vraiment, pour les blocs de Netherite, c'est peut-être le truc le plus précieux qu'on a trouvé dans le donjon. Je sais pas ce que j'en ai fait. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont mes blocs? Bon. Alors, des coups, je regarderai ça. Hein. Là, ici, on a quoi? Netherite Backpack. Hop. Un petit ancien débris en plus, c'est pas mal. Compacting Drawer, yes. Ça, on va en avoir besoin. Ça, on regardera aussi. Donc, All the Modium. Ça, c'est fait. Voilà, c'est rempli. Et aussi d'anciennes forêts. Dans ces forêts, vous pouvez trouver des anciens buries qui donnent Night Vision. C'est la seule dimension qui a de la Soul Lava et des Piglitches. Alors, on a peut-être vu qu'une très légère partie de la dimension, mais ça m'étonnerait quand même. On est vraiment allé tout en bas dans le monde, il n'y avait rien. Voilà, bon là, il nous explique comment on y va. Donc, on est allé dans chacune des dimensions. Ça avance bien. Il nous reste juste le Vibranium Armor à faire. Qu'il faut du coup faire déjà cette armure-là. Et donc, il faudra passer de la Netherite à ça. Alors, l'armure en Netherite, c'est pas un souci. Le souci, c'est du coup ces lingots que je pensais qu'on avait récupéré aujourd'hui, mais apparemment non. Donc, on devra regarder ça. Et au niveau des alliages, pour l'instant, on peut pas le faire. Il faut soit énormément d'énergie, soit Botania. Le bounty board, les blazes, c'est bon. J'ai du Thunderpearl en plus, pas mal. On est à combien en blaze en tout là? Parce qu'il y a un moment, on n'en avait pas beaucoup. Ok, 121, c'est pas mal. Et du coup, ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Donc là, il nous reste vraiment que le Noctanium et les upgrades pour ça, dans cet endroit-là. Et le sniffer. Je sais pas pourquoi il voulait absolument qu'on ait un sniffer, mais ça donne quoi en plus comme reward? C'est juste de l'XP quoi. Gold upgrade, ouais. Bon. Bon. Chapitre 2. Une gemme rare. Et ça. Et là, je crois qu'on est bon au niveau de nos quêtes. Il y a Forbidden Arcanus qu'on a commencé. Oula, oui, on a fait plein de trucs là-dedans. On regardera ça la prochaine fois. Occultisme. Oh là, il y a tellement de trucs occultes. Voilà, le dictionnaire des esprits. C'est un guidebook. Vous allez avoir besoin de ça. Le dictionnaire est un quest style guide.
D'accord. Donc il nous faut le livre de toute manière. Bon. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve dans l'épisode 14, du coup, qui sortira bientôt. On commencera un petit peu à crafter des choses, produire un petit peu plus en masse. Là, on s'est bien OP déjà, nous. On est bien en chante, on a du bon stuff. Mais ce serait bien d'upgrade un petit peu l'environnement autour de nous, donc les maisons, la maison, les machines, le storage, tout ça. Et ça nous donnera tout ce qu'il nous faut pour commencer à travailler sur cette méga étoile. Donc voilà. Merci à tous. À dans l'épisode prochain. Bye bye. Oh! Je viens de disparaître. Tout va bien. Bye bye.